Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle année de Pépitor. Donc, je vous souhaite mes meilleurs voeux, santé, amour, bonheur pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite aussi de gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Moi, ça y est, j'ai fait mes devoirs. Hein. Donc, j'ai passé le Covid première semaine de janvier. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc, n'ayez pas peur. Éteignez la télé, n'ayez pas peur, tout va bien. Donc aujourd'hui, pour commencer cette année, on va recevoir Ricardo comme l'an dernier. On avait commencé également avec lui, ça nous a apporté bonheur. Donc on recommence cette année. On va parler un peu des pépites qu'il nous avait proposées l'an dernier, celles qui ont marché, celles qui n'ont pas marché. Et puis on parlera un peu de l'année 2022. Voilà, on passe au générique, on se retrouve tout de suite. Comme d'habitude, par notre petit disclaimer, donc nous ne sommes que des amateurs, des passionnés. Dans aucun cas, nous ne donnons de conseils sur notre chaîne et donc pas avec Ricardo également. Et on se retrouve avec Ricardo. Salut, comment vas-tu, Richard? Ça va? Ça va très bien. Bonne année, Denis. Merci, ça fait plaisir de te Même si retrouver. tu as commencé difficilement, visiblement. Ça y est, moi c'est passé, c'est fini. Hein. Moi, ma fille a été positive le 31. On a fait le jour de l'an chez des amis qui sont dans le sanitaire. Et puis ils ont dit, ah bah tiens, on va se faire un test pour être sûr que tout se passe bien. Et tu Bim, l'avais. fille positive, moi j'étais négatif. La nuit, j'étais pas bien. Le lendemain, je suis allé faire un test positif, mon autre fille aussi. Moi, ça a duré un jour et demi avec des courbatures, mal de tête, 2 jours fatigué, et puis c'est tout. Bon, et ben maintenant on rattaque et puis t'es en pleine forme. Voilà, moi, ça y est, j'ai fait les devoirs. Ça y est. Bien. J'ai bien commencé l'année 2022. Oui. Je te souhaite bonne santé, je te souhaite Merci. une bonne santé à tout le monde évidemment, et puis que les projets de chacun se réalisent. Ouais. Voilà. Également pour toi, toute ta famille, et puis tous les auditeurs de la chaîne. Donc cette année, tu verras, Pépitor, on va un peu changer. L'an dernier, je vais peut-être en parler rapidement, hein. L'an dernier, on avait fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Cette année, on va focus sur des vidéos intéressantes, et puis on va faire moins de quantité et plus de qualité. Voilà. On va Et essayer. donc, on va commencer par la qualité avec Richard. Je croise les doigts. Ouais. On va voir. Tu nous as préparé quelque chose, je crois? Ben, si tu veux bien, à moins qu'il y ait autre chose à dire avant, mais Ouais. moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bilan 2021 dans un premier temps. Et je vais présenter mes trois indices, alors très rapidement, mais. Il y en a un qui est grâce à toi, donc on va en parler. Ouais, c'était spontané, hein, mais bon, Ouais, spontané, mais j'ai pris le truc au vol et du ouais. coup, et ça marche super bien sur les réseaux. C'est ce qui a le plus regardé maintenant. Et D'accord. du coup, j'ai dit, tiens, au lieu de faire que les pépites, on va faire un petit peu mon travail qui est à côté. Donc si tu veux bien, si tu veux bien, bah, on va faire ça, on va faire le bilan 2021 avec. Et puis bah, après, peut-être qu'on va attaquer qu'est-ce qu'on ressent en 2022. Et D'accord. puis à la fin, j'ai des nouvelles pépites. Ah là, les grosses J'essaie pépites. en tout cas. Les grosses pépites de Richard. Voilà. Oui, pépitor, il faut Ouais. des pépites. D'accord. Partage ton écran, c'est bon. Ouais, tu me dis qu'on sait, ok? Ça y est, c'est bon. C'est tout bon. D'accord. Tu vois la pyramide du Louvre? Je fais la pyramide du Louvre, je vois le taureau. Oui, le fameux taureau Ouais. du logo. Ouais, j'aime bien la photo, donc j'ai dit, tiens, je vais mettre ça Ouais. en fond d'écran. J'ai trouvé jolie celle-là en plus, Ouais. voilà. Et comme je vais parler beaucoup plus en tout cas dans un premier temps, de la française, bah, j'ai dit, tiens, j'ai D'accord. failli mettre la tour Eiffel. Bon, on l'aperçoit sur la photo, mais j'ai trouvé que ça, c'était assez emblématique de la France. Parce que toi, l'an dernier, on était parti beaucoup en Allemagne et dans les Nordiques, hein, c'est ça, hein? J'étais très, très Enfin, les Allemagne. Baltiques, non, les Nordiques, c'est les Nordiques, ouais. Et Ouais. puis, j'ai commencé à regarder ce qui se passait en Europe du Nord avec un étonnement très important. Mais je pourrais te donner 2-3 chiffres, si tu veux, à la fin de Ouais. cette présentation. Mais j'ai découvert un pays, enfin une région extraordinaire.
D'accord. Et tu verras qu'il y a des conséquences un petit peu sur mes arbitrages, et puis il y a une conséquence sur tous les jours, hein, sur ce que je fais, sur ce qui est sur mon portefeuille, dans mon portefeuille. Voilà, j'ai quasi en permanence maintenant des valeurs scandales. Donc voilà, ça a des conséquences quand même sur mon training quotidien. Heureusement, parce que si tu fais des choses, tu prends ton genre, puis qu'il n'y a rien derrière, c'est un peu du blabla, quoi. Alors parce que Mais on va toi, commencer d'après... par du français, si tu veux bien. Oui, je suis français, moi, monsieur, oui. Ouais. Un des indices qui est le moins connu de ce que je fais, parce que je ne présente pas souvent, c'est un indice que j'ai créé il y a 2 ans. Ça s'appelle les large caps françaises. Large cap, donc les grosses valeurs, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Et c'est 100% français. À vrai dire, je voulais juste présenter un petit peu la situation de l'indice. Et puis, comme je fais des indices, je les présente sur les réseaux, autant que je te le fasse avec toi. Yes. Et du coup, c'est une liste de valeurs, ça fait 2 ans qu'elle ne bouge pas. Donc, c'est le gars qui a acheté, entre guillemets, de manière équipondérée tout ça il y a 2 ans, il aurait fait la perf que je vais te proposer. D'accord. Et voici le résultat à fin 2020. La première année, ça avait donné ça, après le crack, pendant l'année du crack. C'est déjà des belles performances, Et hein. en achetant en janvier ou en achetant le bottom? Alors, c'est au 1er janvier 2020. Moi, je ne fais pas le plus bas, le plus haut. C'est à date. C'est toujours D'accord. à date. Et donc, à date du 1er janvier 2020, j'avais fait cette sélection-là. Puis, ça a vécu sa vie. Au bout d'un an, ça a donné ça. Ce qui est en vert, c'était au-dessus de mon indice. Ce qui est, les positions, sont meilleures que l'indice. Puis, ce qui est à droite, c'est ce qui c'était en dessous de l'indice, avec une partie qui était positive quand même. Et puis, quelques valeurs qui, finalement, très peu, ont été en négatif l'an dernier. Hein. C'est assez étonnant. Voilà, donc voilà, il y a un classement, les gens, ils pourront regarder les valeurs. C'est que de la grosse mémère, c'est pas que dans le CAC 40, mais globalement, je crois qu'il n'y en a pas une qui est en dessous de 4 milliards de capitalisation, donc c'est plutôt de la large cap. Et si tu veux, ça a évolué cette année, fin 2021, il y a une nouvelle situation, c'est-à-dire que ça s'est accumulé, c'est bien l'accumulation des 2 années, et ça te dit, mais toujours en tête, bon, c'est logique, hein, Covid égale santé, et tu as Hermès qui est juste derrière, on voit Soitec aussi, etc. Et puis, il y a eu des gadins. Les gens verront qu'il y a des changements dans le classement. Ce qui est intéressant, c'est que on a globalement un indice qui a monté. Mais je vais te faire voir la courbe après. Et on a 5 valeurs qui ont baissé. J'y touche pas. J'ai jamais bougé. J'ai jamais changé. J'ai pas fait d'arbitrage du tout en 2 ans. Je vais en faire un assez rapidement cette année parce que j'ai Iliad qui s'est retiré de la cote. Hein. Xavier Niel a tout racheté. Il a retiré la valeur de la cote. Donc, du coup, on va l'enlever. Mais ça fait 57%. C'est pas mal quand même. Et puis, tu as 5 valeurs qui ont baissé. Mais finalement, quand tu y penses bien, est-ce que fondamentalement, dans 5-10 ans, est-ce que tu considères qu'Alstom, par exemple, va vendre plus de trains? Bah, ça me paraît cohérent. Worldline, c'est la fusion avec Ingenico qui pose un souci. Orpea, les pauvres avec les Covid, ça n'était pas facile, mais voilà, c'est un sujet toujours intéressant. Les jeux Ubisoft, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi ça serait toujours au fond de la cave comme ça l'est actuellement. Et puis, il y a un dossier qui s'appelle Atos qui est en train de s'effondrer. Et pour moi, Atos, les gens parlent de plein de choses, etc. Pour moi, c'est simplement le syndrome Renault. Le syndrome Renault. Je sais pas si tu te rappelles, mais le jour où Carlos Ghosn a été arrêté là, avec ses histoires à dormir debout au Japon, le Renault était à 100 euros. Je crois que ça a divisé par 5, Renault, suite à son départ de la direction de Renault. Eh bien, Thierry Breton, qui est maintenant commissaire européen, quand il est parti, eh bien, il s'est passé la même chose. Ça veut bien dire qu'il y a des valeurs qui tiennent uniquement par un homme emblématique. Carlos Et Ghosn, Atos. quand même, il a sauvé Nissan. À l'époque, il disait au Japon que s'il avait été japonais, il aurait été élu Premier ministre. Donc, Pour dire, si hein. tu veux, juste pour dire qu'est-ce que j'en pense de ces valeurs, bon, je peux les sortir parce que c'est une sorte de indice holder. Parce que comme je fais beaucoup de choses avec différentes perceptions d'investisseurs, voilà, ma formation c'est pareil, il y a des choses différentes à y voir. Celui-ci, c'est vraiment celui que tu ne touches pas, tu fermes l'écran et tu t'en vas. Toutes ces performances, je le signale, sont sans les dividendes. D'accord. Donc voilà. Voici ce que donne l'indice, il est en rouge, là c'est la courbe rouge, sur 2 ans, 59% de progression, quand le CAC 40, dans le même temps, a fait 19%. Et en jaune, on voit l'écart
entre les deux indices, et on a 40 points d'écart. D'accord. C'est un petit peu mieux que ton livret A, à mon avis, ouais. Je pense. Ouais, ouais. C'est clair. Voilà, donc je suis assez content parce que on voit vraiment sa surperformance dans le temps de ses choix de valeur et de date à date. Voilà, on est les personnes qui auraient acheté ça, ils seraient plus riches. Donc 4,40 c'est bien gentil, mais il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas acheter là-dedans, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc vous regarderez les valeurs de ça. Et puis j'ai juste un arbitrage que je fais cette année. Donc je te disais, il y a de sort de l'indice par obligation. Donc Oui. je fais le premier arbitrage sur cet indice depuis 2 ans. Et pour la raison donc de remplacer Ilia, je me suis dit, tiens, je vais en mettre une. Et du coup, j'ai fait un choix. Donc ça va être le premier choix. C'est pas une pépite, c'est une large cap quand même. Mais je rentre sur cet indice-là, je rentre au VH. D'accord. Je ne sais pas si tu connais OVH. OVH, si je dis pas de bêtises, je vais m'arrêter tout de suite. C'est les serveurs à distance, c'est ça, dans les clouds. Les clouds, ouais. Ouais. C'est le, c'est un, alors, des gens disent que c'est le seul en Europe, c'est pas vrai. Il y en a en ouais. Norvège. Je pense à Claude Ils Green. Ont brûlé, je crois, cette année. Ils ont brûlé oui, à Strasbourg. J'ai acheté OVH. Je l'avais mis une photo sur Twitter avec un ouais. mec qui faisait un barbecue, mais ouais. c'est une blague. Je suis assez blagueur, tu le sais bien. Mais non, OVH, c'est sérieux. Et puis, je te pose une question, Denis, comme ça, juste comme ça. Quand tu dis, tiens, je fais un indice old où il y a très peu de changements, est-ce que tu penses qu'OVH, dans 10 ans, sera moins important qu'aujourd'hui ou plus important qu'aujourd'hui? Moi, ma réponse, elle est, je pense que ça vaudra plus cher. Ouais, moi aussi, c'est vraiment les leaders européens, quand même, hein, du c'est secteur. C'est le leader, il n'y a pas grand monde. Il ouais. n'y a pas que. Il n'y a pas grand monde. Nous, on l'a, nous, au VH, on l'a sur le robot de trading. Parce que le robot D'accord. de trading, il faut toujours avoir l'ordinateur ouvert. Donc, plutôt que d'ouvrir toujours l'ordinateur, on branche MT4 sur OVH. D'accord. Et j'ai un abonnement mensuel à OVH. Si je ne dis pas de bêtises, le moins cher avec Windows, je crois que c'est 10 ou 12 euros. Donc, ce n'est pas donné déjà. Hein. Non, mais franchement, il y a un business model intéressant. Mm-hmm. Et puis, il y a des perspectives énormes. Et puis, le caractère souverain de protection de données souveraines, c'est quand même pas inintéressant. Mmh. Vraiment pas. Donc, voilà, OVH, voilà. J'ai hésité avec un autre dossier qui est très surprenant dans mon environnement de trading et qui étonnerait même les élèves. Mais il y a un dossier que si Atos se fait racheter, parce que Atos, ça sent l'opéra. Hein, Par qui? Par Capgemini ou peut-être On verra bien. Mmh. Capgemini, c'est bien gentil, mais ils ont déjà racheté, je ne sais plus, ils ont racheté quelqu'un déjà il n'y a pas longtemps. Il faut faire attention. Mais c'est des gens intelligents, Capgemini. S'ils y vont, c'est qu'ils savent. Bah, c'est des grenoblois, c'est normal. Ah ouais? Kampf, ouais, le patron. Et si Atos devait être racheté, je ferai un arbitrage. Et je ferai un arbitrage pour une valeur qui est vraiment surprenante, mais qui pour moi est peut-être la valeur d'avenir dans un domaine qui semble ne plus en avoir. C'est Stellantis. Stellantis, c'est vraiment impressionnant. Et je faisais un article ce week-end sur l'indice là, sur cet indice-là, des grosses caps. Et Stellantis aujourd'hui, moi ça m'agace de voir les médias parler de choses diverses et variées et d'oublier de parler de Carlos Tavares, mmh. qui pour moi est un génie. C'est un génie industriel. Ce mec est exceptionnel. Et il est en train d'emmener Peugeot, qui était en dépôt de bilan hein, quand il est arrivé, vers un groupe mondial gigantesque, avec des choix stratégiques phénoménaux. Le dossier n'est pas cher en plus. Donc, en automobile, il faut faire gaffe avec le cher et le pas cher. Mais voilà, donc Stellantis, j'ai hésité, puis j'ai dit non, OVH quand même. C'est, Stellantis, ils avaient acheté Opel pour les batteries électriques, je crois. Je sais pas, de toute façon, ils ont Fiat, ils ont faim, c'est impressionnant. Ils ont Fiat, Opel, et puis Fiat avait racheté les Américains, là, Daimler. Quand ils achètent une valeur, ils ne savent pas quoi acheter, et Dieu sait que je forme les gens à essayer de comprendre ce qu'il faut acheter, je leur demande juste de regarder le bénéfice de Renault et de regarder le bénéfice de Stellantis. C'est tout. Il y en a un qui est en milliards et l'autre c'est en millions. Enfin, je sais pas. Voilà, point. Ça s'arrête là. Voilà. Puis Renault, être associé avec l'État, c'est peut-être pas... Ah bah oui, bien sûr. C'est peut-être pas top. C'est un fil à la patte terrible pour Renault. Quoi. Ouais, c'est pour ça que la fusion avec Volvo avait capoté à une époque, parce que Volvo ne voulait pas avoir l'État français comme associé.
Bah, regarde ce qui s'est passé avec Air France. Il a fallu qu'il y ait une quasi-OPA du gouvernement hollandais pour que l'État français arrête de donner des ordres à Air France, KLM. KLM était téléguidé par le gouvernement français. À un moment donné, les Hollandais, ils ont dit, on en a marre. Il y a eu une accélération du cours de bourse. Et puis au bout de 3 jours, on apprend que le gouvernement hollandais avait pris une participation de 20-25%. C'était un truc de fou. Donc si tu veux, voilà, on a des exemples comme ça. Continue. Il faut jamais acheter des valeurs qui sont avec l'État dedans, quoi. Jamais. Non, c'est du n'importe quoi. Enfin, voilà. Ceci étant dit, je vais dire quelque chose qui va être très surprenant pour beaucoup. Une recovery qui serait à jouer dans le monde des grosses valeurs, c'est Renault. Parce que le prix où elle est, et il se dirait, est-ce que je joue un fois 2 ou un fois 3, ça ferait toujours pas cher. Et sincèrement, Luca de Meo, j'ai un ami qui est un fan de bagnole, mais un fêlé de voiture. Vous savez, moi, je traîne autour du Mans. Le Mans, c'est les rois de la voiture. Et il m'a expliqué ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait avant chez Chrysler, enfin chez Fiat. Ce qu'il a fait, bah, tiens, tu connais certainement, chez Seat. C'est lui qui a créé Cupra. C'est lui qui a fait la Fiat 500 sous la forme qu'on la connaît, la petite bagnole là, qui se vend cher, et voilà. Et il est en train de préparer la même chose sur Renault. Alors ça, c'est un terme qui est très utilisé en ce moment, et les gens vont, hein, ça va tilter dans plein de têtes. C'est un roi du pricing power. Il est capable de faire une bagnole pas chère et de la vendre très chère. Donc, il y a peut-être quelque chose chez Renault dans les années qui viennent. Il parle Peut-être. de relooker la R4 et de la ressortir, je crois. Oui, et C'était la dans R5 va les. sortir en électrique. Et faut bien entendre ce que je viens de dire. Il a réussi chez Seat et chez Fiat à faire du pricing power. Message. Voilà, donc après, voilà. Mais Stellantis, ça me paraît plus costaud et beaucoup plus intéressant sur d'autres domaines fondamentaux. Encore, faudra pas qu'on aille dans une crise climatique où on nous donne un pass pour faire moins de 10 000 km par an, etc. Parce que ça sent gros comme une maison, ça, quand même, hein, mais Mais bon. justement, je trouve que les choix de Stellantis sont très intéressants. Celui Très qui passe par intéressants. l'électrique, là, il va en chier, à mon avis, hein. Et aujourd'hui, l'idée de Stellantis, c'est vraiment de faire la voiture en type locative, qui est vraiment, voilà, on possède plus de voiture dans quelques années. Franchement, les choix stratégiques Stellantis, waouh, De toute façon, acheter une voiture maintenant, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne sait pas si on nous va interdire de pouvoir conduire une voiture à explosion, avec un moteur à explosion, d'ici 5 ou 10 ans, quoi. Et une Bah, voiture, pareil, pour si tu l'instant. achètes une voiture, c'est pour la garder soit 2 ans, soit 10 ans, hein, parce qu'entre 2 et 10, tu perds l'argent. Tu vois ma photo là, on risque de la faire avec une voiture électrique bientôt parce qu'on ne pourra plus rentrer dans Paris. Bientôt. Je continue? Je t'en prie, oui. Et puis, on va parler de l'indice MDR, le petit nouveau. Les merdes de Ricardo. Alors, MDR, franchement, alors j'insiste, je le dis souvent sur les réseaux, c'est toi l'inventeur, c'est pas moi. Ah, c'était parti l'an dernier d'une petite boutade. Ouais, bah c'est-à-dire que l'indice, pour ceux qui ne connaissent pas ce que je fais, il y a un indice des pépites, et ça s'appelle les pépites à trader de Ricardo, et ça fait PTDR. Et quand j'ai dit PTDR, toi tu m'as répondu, bah, tu vas faire maintenant les merdes de Ricardo, MDR. MDR. C'est Donc on a ça. mis ça en septembre, et en octobre je l'ai mis en place. D'accord. Et il a eu un succès, bon, je vois les gens qui like mes articles et tout ça sur Facebook notamment. Et que c'est bien aussi de dire, Succès fou. de montrer que tu es un homme après tout, avec tes forces et tes faiblesses. Et c'est bien de montrer aussi que, comme tout le monde, tu te trompes, quoi. C'est Oui, bien. bah alors là, rassure-toi, sur les merdes de Ricardo, il n'y a aucune erreur possible, tout se casse la gueule et ça se cassera la gueule tout le temps. D'accord. Oh, il y a des fois des petits rebonds, voilà, mais il y a. Évidemment qu'il y en a une peut-être dans le lot qui va peut-être s'inverser. Hein. Moi, je pense à Katana. Hein. Katana a fait des OCA longtemps et s'en est sorti. Mais il y avait aussi un projet industriel. Là, des dossiers que je vais dire, je ne les vois pas, les Et projets puis c'était industriels. une famille, et puis c'était Seul. c'est un projet familial, Katana, c'est pour ça que ça marche, hein. Oui.
Et donc, si tu veux, je vais te. Dans le caractère éducationnel, j'ai voulu faire une parenthèse sur ça qui me paraît importante. C'est, je vais essayer que les gens comprennent. L'idée, c'est vraiment, cet indice, c'est vraiment de l'éducatif. Hein. C'est pas du tout chercher des stratégies, quoi que ce soit là-dessus. Il n'y a rien à tirer de ça. Si ce n'est de laisser les traders intraday jouer à ça, les pros, mais les amateurs, les particuliers qui écoutent cette émission. Mais simplement, vous les rayez de votre carte, ces trucs-là. Et c'est tout, vous ne cherchez même pas à comprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais essayer de le présenter rapidement, si tu veux bien. Et j'ai fait un feedback, c'est que français, hein. C'est que de la française, mais il doit y avoir des trucs qui traînent aussi en Belgique ou ailleurs, hein. Faudrait faire pareil. J'ai remonté 3 années pour vraiment expliquer les choses. Et à fin 2019, donc sur l'année 2019, les valeurs qui sont dans cet indice aujourd'hui, je n'ai changé aucune valeur sur 3 ans. On est bien d'accord. En 2019, elles ont fait moins 99%. Voilà, en moyenne. En moyenne. Mmh. C'est-à-dire que tu avais 1000 euros, il t'en reste 10. Ouais. D'accord. Et tu te dis, c'est super bas. Et c'est ce que disent tous les particuliers qui achètent ça. Ouais, je vais à la bourse, c'est pas cher, j'achète. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que l'année suivante, en 2020, les mêmes valeurs qui ont perdu 99% de leur valorisation, on fait moins 99,8. Mmh. Même valeur. Ah, c'est constant. Hein. C'est, le graphe n'a plus d'intérêt, parce que tu vois qu'il est complètement écrasé. C'est une catastrophe. Alors, Cybergun fait partie du lot, évidemment. Ouais. Et à mon avis, il y a une bonne part de responsabilité dans cet indice. Mais les autres valeurs n'ont jamais monté. Ah, bah, Cybergun, c'est du business plan. Hein. Tu fais des armes en jouet et puis tu cotes en bourse. Monstrueux, le business plan, quoi. C'est impressionnant. Ils vont envahir le monde avec leur pistolet en plastique. Un truc de fou. Et donc, c'est ce qu'ils viennent de dire, hein, qu'ils avaient une stratégie mondiale. Foutage de gueule. Enfin, ouais. Donc, on est bien d'accord que nous avions des valeurs qui avaient perdu 99% de leur valeur. On repère 99% sur les 99%. Ouais, c'est donc, si tu achètes au 1er janvier 2020, tu reprends la même claque. Alors, tu te dis, bah là, c'est vraiment, vraiment au plus bas. 2021, c'est pas terrible, hein. Ça a fait un peu moins bien. Ouais. Ça fait que 81% de baisse. Ça a divisé par 5. Ouais. Et tout ça en étant regroupé tous les 6 mois ou tous les. Ouais. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe sur des valeurs pareilles. Et c'est pour ça que si tu veux bien, je vais essayer d'expliquer avec des mots simples, hein, pas rentrer trop dans la technicité, mais je vais expliquer ce qui se passe. Retenez une chose, mesdames, messieurs. Si tu mettais 100 000 euros au début 2019, j'ai compté vite fait, hein, tu aurais plus que 20 centimes. Mmh. 100 000 euros, 20 centimes. Pas vendu, pas perdu. Ouais, il paraît. Ouais. C'est dur, hein, dur à récupérer ça quand même. Il y a une super accélération toute fin d'année sur ces valeurs. Donc tu la vois très très bien sur le graphe, hein, elle est absolument magnifique. Ouais. C'est que dalle. Donc oui, les traders pros. Mais vous n'êtes pas des pros, la plupart des gens qui regardent cette émission. C'est pour faire du day trading, jouer sur l'annonce, jouer sur en tir la dernière tranche de cas avant la prochaine et on ne fait plus rien pendant 2 semaines. Ouais, c'est faut comprendre la technicité des montages que font ces gens-là. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du trading pur intraday. Et intraday, ouais, comme tu dis. Donc, j'ai essayé de faire un truc qui est simple pour vous présenter ça. Bon, déjà, la liste des valeurs, pour histoire que vous y avez des noms, donc les gens, ils imprimeront, ils regarderont, hein, on ne va pas s'attarder sur tous les dossiers. En tout cas, record du monde absolu, non, record de France, pour Arcos, 99% de baisse. Ah ouais. Et écoute bien, je sans faire exprès, j'ai découvert, là j'accuse les autorités quand même là-dessus, Arcos est au SRD, c'est-à-dire que tu peux même faire du levier. Mmh. Non mais c'est pas possible. Mmh. Alors, elle ne doit pas être shortable, hein, elle doit être juste achetable, mais enfin... 0,0003 centimes. Ouais, c'est du n'importe quoi. C'est une boîte vide avec laquelle des gens ont de l'OCA, ont des OCA. Ils peuvent, ils ont des actions 10 fois moins chères que les autres. Ils font monter l'action et quand l'action est en haut, ils revendent tout leur paquet. Voilà, c'est de l'arnaque, mais c'est de l'arnaque. Ouais. Alors, j'ai souligné, tu vois, j'ai mis 2 flèches, j'ai mis Spineway aussi dans l'eau, qui est celle qui a moins baissé. Bah, ouais. Évidemment, elle est à 0,0008. Ouais. Ouais, super.
Et je voulais juste signaler ça parce que Arco c'est à 0,3 et Spagnolo ouais, 8. Donc il risque de plus baisser parce que c'est même plus possible. Il n'y a même plus la virgule suivante, ça Ah, mais n'existe si, après, pas. t'as le regroupement. Mais Voilà. j'ai fait un petit slide vite fait, hein, c'est juste pour expliquer aux gens le processus infernal qui est en route depuis des années sur ces valeurs et qui va continuer. Il n'y a rien à tirer. Ils font des OCA, des obligations convertibles en actions. Alors il y a plein de systèmes d'obligations, les OCAPSA, les OCA, enfin il y a tout un tas de choses. On va pas rentrer dans le détail de ça. Et puis à un moment donné, ils font un regroupement d'actions, ils refont des vagues d'obligations convertibles et ils refont des groupements d'actions. C'est ce que fait depuis des années Cybergun. Et pourquoi ils font des OCA? Tout le monde dit ça, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire qu'une obligation convertible, hein, c'est une dette qui se transforme en capital et qui crée des actions. Et puis, bah, ils les vendent sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, donc le dossier baisse. Ça, tout le monde le comprend. Mais pourquoi tu fais une OCA? Il faut que les gens entendent bien pourquoi. Et il n'y a pas. J'ai pas vu de gens. J'ai vu des vidéos, des trucs sur YouTube. J'ai jamais vu le mec expliquer pourquoi. Ben, c'est très simple. J'ai un business plan, je suis l'industriel, et je vais voir. J'ai plus d'argent en caisse. Donc, il me faut un financement. Je vais voir mon banquier. Il me dit, non, monsieur, j'arrête. Parce que ton business, il n'est quand même pas extraordinaire. Ou carrément nul, hein, vendre des pistolets à eau, entre nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, le banquier, il ferme la boutique. Il dit non, c'est bon, j'arrête. Donc, le dirigeant va aller voir un banquier d'affaires et va lui dire, bah voilà, je vais faire une augmentation de capital. Parce qu'il a deux choix. C'est soit un apport par les banques dans la caisse, soit par le capital. Les investisseurs, les fonds disent non. Personne ne veut participer à l'augmentation de capital. Les banquiers d'affaires refusent. Il n'y a plus qu'une solution. C'est d'aller voir, je ne vais pas dire qu'ils sont véreux, mais des banquiers d'affaires un petit peu moins regardants, qui vont faire ce programme d'obligations convertibles. Ça veut dire que quand tu fais des OCA, c'est que tu n'as plus de volonté du banquier et des investisseurs institutionnels, enfin les gros, hein, de mettre de l'argent dans ta boîte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est des professionnels qui regardent ce que tu fais. Je pense que nous, particuliers, on n'est quand même pas aussi qualifiés qu'eux pour aller juger si le dossier est bon. Donc déjà, des OCA, c'est quand même compliqué pour la boîte. Et voilà pourquoi ils font des OCA. Et donc, c'est la dernière chance de la boîte. Alors, Et ils ils font disent des cadeaux à ces investisseurs parce que si le cours est à 10 centimes, ils vendent ces OCA à des investisseurs à 1 centime. Ça veut dire que dans tous les cas, les investisseurs, ils gagnent. Et c'est pour ça qu'ils vendent comme des porcs. Parce que quand ils vendent à 8 centimes, à 7 centimes, à 6 centimes, à 5 centimes, à 4 centimes, ils gagnent encore de l'argent parce qu'eux, ils l'ont touché à 1 centime. C'est Alors, il scandaleux. faudra ajouter à ça. J'ai vu une interview, c'était sur Zone Bourse, ouais, où le gars disait, non, non, on ne fait pas de short. Mais c'était pas avec grosse conviction qu'il disait ça. Ces gens-là vendent le titre à découvert en même temps qu'ils lancent les OCA. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner de l'argent, non seulement sur le spread entre le prix de l'action et le prix qui la touche, mais en plus, ils gagnent sur le short qui est associé à ça. Alors ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est ce que j'en ai compris. Les mêmes armes, nous les particuliers, que les professionnels, que ces banquiers d'affaires-là. Ils ont des armes potentielles de gains que nous n'avons pas. Nous sommes statistiquement perdants, quoi qu'il arrive. Je dis bien, quoi qu'il arrive. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Et on arrive à un moment donné où Arcos et Spagnolo, c'est ça que je voulais en dire, arrivent à un prix tellement bas, etc. Ils vont prendre une nouvelle décision, c'est le regroupement d'actions. Donc elle va au 0,003. 10 000 actions deviennent une action. Ça cote 3 euros. Et c'est reparti. Et ça replonge. Donc voilà, je suis accusationnel de ça profondément à travers cet indice NDR, création de Denis. Et je voulais finir positivement, ou en tout cas avec une proposition aux autorités. Alors, je sais très bien qu'on n'est pas écouté, mais enfin bon, il y a peut-être quelques personnes qui verront ça à la volée. Mais j'ai deux propositions à faire pour que ça arrête ces choses qui sont totalement légales, mais on pourrait essayer d'empêcher que ça se passe. Et la première proposition, c'est de passer en mode de détention des valeurs, c'est-à-dire que quand tu achètes une valeur, tu as plusieurs possibilités. Et il y a un système avec un peu d'administratif qui s'appelle le nominatif administré. Et je propose que toutes les valeurs sous un centime soient au mode nominatif administré.
de telle manière à ce qu'on mette un peu d'administratif. Alors, il faut donner sa carte d'identité, etc. La boîte doit gérer ses actionnaires nominativement. Et ça empêcherait beaucoup de choses. Puis la deuxième Tu sais problématique que que De j'ai sur Giraud la... ne donne pas accès à certaines daubes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Oui. droit de trader Avenir Télécom, Spinway, Cybergun, enfin il y a 4 ou 5 ou 6 actions qui sont blacklistées. Je pense que c'est pas le rôle des brokers de faire ça. C'est pas au rôle des brokers. Les brokers sont là pour permettre les échanges entre les investisseurs et les entreprises, entre les investisseurs. C'est pas le rôle des brokers. Pour moi, c'est alors je sais pas si c'est l'AMF ou Euronext ou autre, mais c'est pas voilà, les réglementations, c'est les lois financières, c'est aux États et au gouvernement de faire ça. Puis la deuxième chose que je propose, c'est d'interdire un deuxième regroupement d'actions. Tu le fais une fois, mais tu fais pas deux. Et voilà, c'est voilà, c'est ma petite idée. Je me disais, je vais critiquer, je vais être méchant, etc. Mais que j'ai un, je voulais qu'il y ait une petite chose positive à la fin quand même de ce que je te dis. Voilà, donc Yes. voilà, j'ai un peu réfléchi à ce que je proposerais. Je dis, tiens, il faut que je le fasse, mais après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on propose. Voilà, je propose ça. Voilà, si, et puis les gens s'intéresseront, vous pouvez aller sur l'AMF et aller voir les types de modes de détention. Il y en a trois. Il y a nominatif administré, il y a nominatif pur, et puis il y en a un autre, je ne sais plus. Voilà. Je prends un exemple sur Air Liquide. Pour toucher tous les avantages d'Air Liquide, il faut être au nominatif administré au minimum, je crois. D'accord. Voilà. On est terminé avec notre indice MDR. Donc, tout juste, merci en tout cas pour. Pour ce truc, De rien, franchement, de sur les rien. réseaux, c'est ça fait un tabac quoi. Ouais. Et puis on va faire le bilan, on va finir sur ça si tu veux, sur l'indice PTDR, donc les Ouais. pépites à trader de Ricardo, qui est plus connu et plus performant aussi. Et voilà, donc au niveau géographique, on n'est plus que français. Voici des pays sur lesquels je bosse, donc plutôt Europe du Nord, et puis Europe de l'Ouest. Et je t'avais dit l'an dernier, la première fois qu'on s'était vu, que j'étais pas Europe de l'Est. Je vous confirme. Ouais. Je vous confirme. Plus on est proche de la frontière russe, plus c'est dangereux. Yes. Si tu vois ce que je veux dire. Surtout que cette année, les frontières russes peuvent revenir par ici, quoi. La frontière russe risque de se rapprocher. Ouais. Ouais. Donc fin 2021. Donc j'arrête la date au 31-12. Hein. Voici les valeurs que j'avais dans l'indice. Il y en avait 34. Il y avait une 35e place car j'ai jamais été prise. Donc voilà. Et voici très rapidement les performances des petites nouvelles depuis que on s'est vu en septembre. D'accord. Je t'avais donné des valeurs et puis j'en ai rentré d'autres sur Facebook. Les gens me suivent, ils savent que j'en ai rentré quelques autres. Et voici les performances de l'ensemble de ces valeurs. Ça, c'est Donc. celle de septembre, hein? Ouais, septembre, alors septembre de mémoire, ce que je me rappelle bien, je t'ai parlé de Naga Group, qui à 31-12 a fait plus de 50. Donc entre septembre et voilà, elle a fait même plus, hein, elle avait monté à plus 75, quoi, plus 80 en ligne droite, assez rapidement après notre discussion. L'autre que j'avais rentré, c'était SFC. SFC Energy, elle a monté, elle a baissé, ça a été un peu dans tous les sens, un peu n'importe. Finalement, elle a fini pile à zéro. L'autre que j'avais proposé, c'était, je crois que c'était, oui, c'était Aker Carbone, Aker Carbone Capture. Et elle est à plus 12 là, mais elle est montée beaucoup plus haut, elle a recorrigé, ça a beaucoup bougé sur la fin d'année, hein, donc voilà. Et celle que je me suis planté, total, c'est Just Eat Takeaway. Je me suis planté. Je me suis planté, j'ai fait une erreur, elle n'était pas chère, et je me suis un peu obsédé sur l'idée de pas chère. Et là, elle est vraiment partie à la cave. C'est pas que juste, mais le secteur de la distribution de ce que fait Just Eat, hein, se fait défoncer. Et depuis quelques semaines, là, c'est encore pire. Donc voilà. Évidemment, je vais faire des arbitrages, elle fera partie de celles qui sortent. Mais D'accord. voilà. Donc j'ai fait une erreur, comme quoi, faut pas m'écouter comme un fou. Je ne suis pas Dieu, et, je le dis à chaque fois, mais voilà, je me trompe peut-être moins que la moyenne, mais je me trompe. Voilà. Et puis j'avais proposé, après l'émission, dans le mois d'octobre, j'avais rentré 2-3 autres trucs, Aconir là-haut, là, plus 13, alors elle a fait une AK, elle est retombée, elle est à plus 13 quand même, mais elle a été beaucoup plus haut, super de dossier, il reste beau ce dossier-là. Un truc qui m'a bien animé pendant l'automne, c'était la Française de l'énergie et j'étais relayé ensuite par pas mal de monde, mais voilà, plus 36 au 31-12, mais là, elle a repris 16% depuis, hein. Donc, elle a plus 50 maintenant.
Je dois me tromper, ça doit être Genoa que je t'avais dit qu'on rentrait. Oui, c'était Genoa, je me souviens, t'en as parlé, ouais. Ouais, et qui a été préconisé par Eric Lewin sur BFM Business. Comme quoi, voilà. Mais je vais lui renvoyer sa balle aujourd'hui. Je vais en préconiser une qu'il a préconisée. Et puis j'avais aussi parlé, et ça c'était pas pendant ton émission, mais juste après, j'étais fan, ça faisait 3 ans que j'attendais. Comme quoi, hein, le Fonda, ça peut mettre beaucoup de temps. Energetica, et j'ai acheté juste avant que ça accélère, et ça a pris 70-80% en ligne droite. Et ça finit au 31-12 à 58. Voilà. D'accord. Et je suis toujours fan du dossier, toujours fan du dossier. Je vais faire une parenthèse sur les ENR, les énergies renouvelables. Une très mauvaise année pour les énergies renouvelables en général, sauf deux dossiers. Energetica et ma valeur pépite préférée depuis 2 ans qui s'appelle Energy Contour. C'est les deux seuls qui ont un graphe qui monte. Voilà. D'accord. Donc voilà, je fais un petit bisou à ceux qui disaient Neoen c'est super. C'est un beau dossier, hein, c'est une belle entreprise, mais graphiquement et fondamentalement, c'était un peu cher quand même. Mais ça l'est encore. Ok. D'accord? Ok. Voilà pour les petites nouvelles. Donc globalement, si tu avais fait. Sans fermant les yeux, acheter tout ce que Ricardo dit, il faut pas le faire. Ça aurait fait plus 16,45 entre ce que j'ai dit en septembre-octobre et 31-12. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Voilà. Donc bon. J'essaie de ne pas me tromper, mais c'est vachement dur. Hein. Il y a une super pression quand même. Voilà. Donc les réussites sur 2021. Donc là, c'est plutôt des chiffres du 1er janvier au 31-12. Donc voilà. Des valeurs qui étaient restées ou des valeurs qui sont rentrées en 2021. Et voilà, j'ai sorti vraiment les belles réussites, tout ce qui était à peu près à plus 50 ou au-dessus. Donc, bah toi, tu vas être content, hein. Ta La petite loupe, Tonalus, elle a fait plus 55. Et franchement, c'est en Espagne, c'est une des valeurs qui a le plus monté en Espagne. ouais. J'en ai pris qu'une en Espagne, mais je ne suis pas trompé. Donc, je suis content. Et puis, la valeur phare de toute l'année, hein, MIPS. Mes fameux casques de Les casques, vélo, ouais. truc de fou, elle vient de prendre une grande claque comme la plupart des valeurs très chères. Elle était très chère à 515 couronnes suédoises, elle est montée à 1200, 1250 même, et là elle est retombée à 900. Mais ça bouge, hein. La Scandinavie ça bouge vraiment. Mais c'est un super dossier industriel, enfin voilà, j'en parlais avec je sais plus qui. C'est le Google du casque de vélo. Il surdomine le marché. D'accord. Et des valeurs comme ça qui surdominent un marché de niche, ou enfin, ça, c'est des bombes atomiques, c'est ce qu'on appelle des bulldozers, des vrais bulldozers. Et ça, c'est un bulldozer énorme. Voilà, donc elle s'est effondrée, elle est sur des points à l'entrée peut-être, mais comme le marché, on va en reparler tout à l'heure, je ne suis pas fan, on verra. Voilà, Médian Technologies, alors moi j'ai bien aimé, il y a des gens qui me disent, ouais, tu connais pas Médian Technologies? Je t'explique. Moi, elle est rentrée dans les pépites il y a 2 ans à 1,97 €. Elle est à 15. Et je suis en place, je l'ai dans mon portefeuille. Et Donc t'arrives ça à a l'air garder risqué. comme ça pendant plusieurs années, sans problème? Médian, j'ai jamais réussi. Moi, je l'ai vu à 1 euro pendant le crack. J'étais avec mon doigt sur le bouton, j'ai jamais appuyé. Donc non, faut pas être prétentieux. Non, non, j'avais compté l'autre jour, médian, j'ai dû faire une douzaine de trades dessus. Et en moyenne, ils m'ont fait un 25% de gain, quoi. D'accord. Bah oui, quand tu as un dossier qui monte tout le temps, mais j'ai jamais réussi à le tenir longtemps. C'est marrant, mais je tiens mes positions longues sur les Allemandes. Moi, je me suis pris une gifle sur Médian, sur un nouveau plus haut. Elle a Ah touché oui. le nouveau plus haut et 10 secondes après, elle était en résabaisse. Et je crois qu'elle a fait deux résabaisses de suite dans la journée. Ça a Ouais, été parce qu'il y a épique. des fonds qui ont vendu. Faut Épique. savoir qu'il y a des fonds qui sont dedans depuis les 2 euros, quoi. C'était à 12 Bon, ou à 13, 15, hein, si je dis pas de ils bêtises. encaissent, hein. À 15, ils encaissent, hein. Quand ils voient la fin de l'année arriver, ils disent, tiens, allez, hop, j'encaisse ça, quoi. Donc, tu peux rien faire, hein. Enfin, celui qui prétend dire, j'ai acheté à 2, j'ai fermé l'ordinateur et je l'ai toujours. Oui, il y en a, hein. Il s'appelle le PDG du groupe, le directeur financier. Il y a quelques gens, voilà, mais il n'y a pas grand monde. Moi, j'ai beaucoup tradé, j'ai beaucoup gagné sur ces valeurs. D'accord. Et je suis en place aujourd'hui, là. Je suis en place toujours dessus. D'accord. Voilà. Bonjour la MF, bisous, bisous. Et puis, bah, tu vois, il y a beaucoup de dossiers à plus 50.
Donc Wall Street Online, Walix, j'aime toujours. Donc Régine Argentica, on a déjà parlé. Nagaro, pareil. Et puis Metabolic Explorer, Metex, évidemment. Tout le monde l'adore. Et puis ma petite allemande, la Manz, qui est pas mal, quoi. Donc voilà, il y a eu des belles performances cette année sur 2021. Et puis évidemment, il y a eu des gadins, il y a eu des échecs, hein, évidemment. Donc on va pas revenir sur Just Eat Takeaway. Mais j'ai aussi Compléo Charging qui. Alors, Compléo, c'est assez curieux, parce que le jour où j'en ai parlé, que je l'ai rentré dans les pépites, elle a fait 45% en ligne droite en hausse. Et puis, problème d'approvisionnement. Et elle s'est effondrée et elle est plus à plus 45, elle est à moins 26. Donc voilà, moi j'étais sorti, hein, j'ai gagné de l'argent sur ce dossier-là. Mais attention quand même, faut regarder le graphe, hein. Les gens qui font du fonda, oui, mais fondamentalement, il faut regarder les graphiques. Hein. Ouais. Celle-là, je te l'avais préparée, là. Il Fondamentalement. faut rentrer à un bon moment, quoi. Voilà, exactement. J'aime des dossiers, mais je les achète pas n'importe comment. Et c'est un message à tous ceux qui font du fonda de dire, tiens, je vais acheter tout ça et puis je vais fermer l'ordinateur. Ne faites pas ça. Donc fondamentalement, il faut faire du graphique. C'est pas mal celle-là. Ouais. Deux autres dossiers qui ont baissé. Minaric, bah, je suis déçu. Pourtant, ils ont annoncé une introduction au Nasdaq. C'est une super boîte, il y a un super projet. Je pense que voilà, mauvais timing. Donc, voilà. Et puis Munich, là, je comprends pas. C'est le marché qui nous fait des trucs bizarres. Voilà. J'ai sorti, entre-temps, d'ailleurs, je te le dis, les gens avant qu'ils critiquent ça, j'avais sorti à un bon moment, j'ai sorti Clara Nova et c'est tombé ensuite. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Je l'avais sorti, je crois, sur le mois Oui, tu d'octobre. l'avais sorti la dernière fois quand on avait discuté, Ouais. ouais. Je la sortais parce que graphiquement, j'ai bien vu qu'il y en a qui voulaient l'envoyer à la cave. Il y a été. Il y a été. D'accord? Ouais. Donc voilà pour les gadins, juste une parenthèse, il y en a quand même beaucoup moins que de réussite. C'est ça qui fait que mon nez, l'indice, doit faire des choses sympathiques. Yes. Et je vais te présenter l'indice de manière un peu saucissonnée pour que les gens comprennent. Là, la courbe jaune que tu vois, c'est la courbe du CAC 40 sur 2 ans. 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, donc soit 2 années. D'accord? Ouais. Et il a fait sur 2 ans. C'est intéressant de regarder avant le crack. Il n'a fait que plus 19 en 2 ans. Alors, justifié ou pas, on ne va pas rentrer dans le débat, ça fait que 20%. Et ça s'est fait par l'année 1, tu vois en bas, j'ai mis la première année, c'était moins 7. Et la deuxième année exceptionnelle de plus 28. Si des gens croient qu'on va refaire 28% cette année, j'ai comme un doute. Alors, t'es plus boule alors. Bon, on en parlera à la fin, allez. On va en parler tout à l'heure si tu Ouais. veux. Et voici le deuxième repère dans l'espace que je mets tout le temps sur l'indice des pépites. C'est le Nasdaq. Alors lui, le Nasdaq, il est en rouge, là, comme tu le vois, et sa performance sur 2 ans, c'est 86%. Donc il est beaucoup plus bullish, il est beaucoup plus puissant, c'est de la tech, etc. C'est vraiment mon repère. C'est mon repère dans le trading, c'est mon repère fonda, c'est mon repère à tous les niveaux. Donc 87%, c'est quand même. Même pas mal. Et donc l'année dernière, tu vois en bas le petit bâtonnet, plus 47. Et cette année, il a fait à peu près comme le CAC 40. Donc les valeurs croissance américaines ont fait à peu près comme les valeurs value françaises. C'est une année exceptionnelle. C'est une erreur statistique, hein, ce qui se passe là. Que le Nasdaq soit monte moins vite que le CAC 40, c'est ça l'erreur, hein. C'est pas l'inverse, hein. Normalement, le Nasdaq monte toujours plus vite que le CAC 40. Et que devient notre indice des pépites dans cette histoire? Où est-ce qu'il se positionne? Ben, il se Ah. positionne encore au-dessus. Voilà, Bravo. il est en vert. Je suis assez content de ça, qu'il reste au-dessus. Alors, ce n'est pas gagné, hein. Ce n'est pas gagné du tout qu'il reste encore au-dessus. Je voudrais juste dire une chose. J'ai entendu des gérants dire qu'il est impossible de surperformer le Nasdaq. Parce qu'il faut avoir Apple, Microsoft et compagnie, il faut avoir les GAFA dans le portefeuille avec des poids importants, et donc ça devient impossible. Bon, bah ok, j'ai entendu. Bah, nous, avec que de l'européenne, on arrive à faire mieux. Ouais. Bisous, voilà, donc voilà, je suis assez content quand même sur du long terme que ça fasse ça. Et aujourd'hui, donc l'indice en 2 ans a fait 107% de progression. Voilà, donc Super. il a, bah merci, c'est gentil, donc il a du sens.
ça doit vouloir dire que ce que je fais est un petit peu intéressant quand même. Même si l'année, si tu regardes bien, ici, ben le 15 ou, c'est 15 ou 16 février, hein, et ben on avait fini l'année. Mmh. Ouais, je me suis aperçu de ça aussi, que le 16 février, il y a eu un retournement sur le Nasdaq et après, ça n'a plus été pareil. Ouais, et on voit bien, c'est erratique, hein, ouais. C'est infernal. Les swingers se sont fait soit plaisir, soit fait avoir. Les holders ont souffert. Voilà, hein, ça a été compliqué. Mais finalement, on finit presque en haut de cette année 2021, même sur ces indices-là. Voilà. Donc voici sa performance sur l'an dernier, c'était 62%, une paille. Et ouais, on a fait 27, on a fait un tout petit peu mieux que le Nasdaq, mais on n'a pas fait aussi bien que le CAC 40. Mais bon, globalement, je pense que je peux. Ouais, c'était assez bon. Et il fallait fermer l'ordinateur et rien regarder, mais c'était évidemment pas si facile que ça. Yes. Voilà pour le bilan des pépites sur l'année 2021. Voilà, merci 2021. Et puis, tu vas peut-être reprendre la. Donc, merci pour ce petit débrief 2021. Et 2022, t'en dis quoi alors ? Alors, juste pour finir avec les choses que je disais, 107% en 2 ans sur l'indice des pépites. Ouais. Les grosses caps, plus 60%. Je trouve la façon de travailler me conforte. Voilà. D'accord. Alors, parce que toi, l'an dernier, tu étais l'un des seuls avec Pierre, je le dis à presque chaque interview, à être bulle, à être haussier pour cette année 2021. Parce que tous les autres, notre éternel ami baissier, tout le monde était baissier et toi, tu étais le seul à être haussier. Tu vois comment l'année 2022 ? Ou tu veux qu'on parle des pépites d'abord ? Non, on va parler de 2022. Ouais. Ça fait plus d'un an qu'on se connaît, Denis. Tu m'as jamais vu autre chose que bullish. Yes, bon, oui. En même temps, toujours. La première interview que tu m'as faite, la première qu'on a faite, c'était le jour de Pfizer. Ouais. 9 novembre 2020. Je crois que cette date, elle sera marquée au fond de moi pendant peut-être toute ma vie professionnelle parce que c'est ma première interview avec toi, la première fois que je faisais ce truc-là. Et c'était le jour d'une journée de bourse de fou, quoi. Comme on en connaît une tous les 3-4 ans, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'étais chez le dentiste. Je me suis fait rétamer. Oui. J'avais des épuisettes sur pas mal de valeurs Covid. Ben, les épuisettes, ça a été bonjour, je passe à travers et je suis à moins 30. Je suis sorti, c'est le dentiste, j'étais groggy. Ben moi, je vais dire un grand merci à mon pote qui est là-haut dans le ciel et qui a dû m'interpeller au moment où je prends mon téléphone à 12h46 et je vois un tweet qui dit vaccin, quoi. Ouais. À 12h47, donc la news tombe à 12h45. À 12h46, je prends mon téléphone. Alors, ouais. Je mange d'habitude et je prends mon téléphone. Très bien, je pense à toi. Et. À 12h47, je me jette et je passe mes ordres. J'avais prévu le scénario et je vends, j'achète et je finis la journée, poum, un truc de fou, et je finis à zéro. Et après, il y avait quelqu'un, 50% en ligne droite, il y avait quelqu'un, c'est Tata Irma, si je ne dis pas de bêtises, elle avait préparé le scénario et elle avait la liste de toutes les actions où il fallait rentrer. Elle a fait une journée de fou. Pareil. Elle était rentrée sur GL Events. Elle était rentrée, je me souviens plus quoi, mais elle s'était préparée la liste et elle dit le jour où il y a le vaccin qui sort, faut rentrer là. Et bim. Ouais. Bah, je peux te dire, moi je me rappelle parfaitement, ma liste était très courte. C'était Voyageurs du Monde. Ouais. C'était Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, c'était GL Event. Ouais. Et c'était Katana. Ouais. Et Katana aujourd'hui à 2 euros, aujourd'hui elle a 7. Ouais. Et je le dis dans l'interview d'ailleurs, je te dis, j'ai acheté Katana, c'était injuste, je disais que c'était injuste qu'elle soit là, oui, c'était vraiment injuste, et elle est partie plein de balles, elle n'est jamais revenue, et puis elle continue. Les locaux de l'étape, ils sont à 50 km d'ici, ils sont à. Oh, vous me souvenez, j'ai une bêtise, à Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon, ouais. Perpignan, à côté de Perpignan. Ouais. Ouais. Et tiens, c'est intéressant que tu parles de ça, quand je. La fondamentale,
Les gens disent, oui, il fait des chiffres, il calcule, il sait lire un tableau par cœur. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de connaître qu'est-ce que c'est que cette boîte, qu'est-ce qu'ils font, où Les ils sont, dirigeants. qui es-tu, les dirigeants. Ben, on vient de parler de Atos, hein, tu vois bien. Apprendre de la. J'explique ça à mes élèves, je leur dis, mais il faut. J'ai un élève qui m'a dit, le mot qui correspond à ce que tu me dis, c'est créer de l'intimité. Oui, il faut être intime avec la boîte, il faut comprendre ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu deviens, qui es-tu, etc. Et aujourd'hui, bah ouais, Katana, de mémoire, ils ont une usine en Tunisie, ils ont une usine à Canet, tu connais le produit. Et je vais dire un truc tout bête, c'est une phrase que je vais. C'est une citation, je mets des citations en ce moment. Il y a une citation que je n'ai pas encore mise, mais qui est très simple, c'est un trader lit plus qu'il ne compte. Il lit plus qu'il ne compte. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Il lit plus qu'il ne compte. C'est pas que des tableaux. Il y a des tableaux. Et après, il faut lire ce que fait cette boîte-là. Voilà. Et Katana, bah, tu vois, tu me parles de Canet, etc. Et ben, les gens qui connaissent Katana, ils savent. Les traders, les pros, ils savent. Les amateurs, on leur dit, bah ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas. Voilà. Yes. Voilà, donc petite parenthèse sur ça. Et effectivement, depuis que tu me connais, j'étais toujours bullish. Et là, je ne le suis plus. Ah ouais. Ça y est, ça va corriger alors pour toi. Ah. Ça va latéraliser ou ça va... Alors, T'es bear, t'es bear. la bienséance veut que je dise neutre à biais négatif. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que ça va se casser la gueule comme pas possible. Mais tu peux pas le dire parce que si ça le fait pas, tu vas avoir l'air d'un con, c'est ça? Ouais. Tu la sens venir la grosse baffe, c'est ça? Je sens. Je vais te résumer les choses. Nous sommes monétairement parlant au niveau de la Fed. On dira ce qu'on voudra, mais la Fed, c'est elle qui mène les marchés mondiaux. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est comme ça. Et on ne peut être pas d'accord. C'est comme ça. Et l'Europe prendra si les États-Unis prennent. Mais nous avons une association de deux choses. Hausse de taux d'intérêt annoncée. Et nous avons une autre chose annoncée, c'est le tapering et voire même une réduction du bilan de la Fed. Ça veut dire qu'on retire les raisons pour lesquelles, tu vois, mes indices là, ils ont monté là sans arrêt là. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'injection monétaire de fou la plus grande de toute l'histoire. Ils sont en train de nous dire on va réduire le bilan. Donc on va arrêter cette injection, cette cocaïne injectée en masse dans le marché. Et on est en train, là j'ai lu des trucs, c'est extraordinaire. Il y a des mecs qui ont réussi à te convaincre, et c'est ce que Powell a dit, c'est pour calmer les choses, mais c'est le temps de sortir. Hein. Les mecs, ils disent, oui, alors ils font un tapering très fort, comme ça compensera la forte hausse de taux d'intérêt. Mais comment. Enfin, on va arrêter de nous raconter des trucs comme ça. Les causes qui ont emmené les marchés là où ils sont arrivés aujourd'hui sont en train d'être enlevées. Donc, le marché, il va. Mais franchement, je le souhaite. Bah, si tu enlèves le moteur à l'avion, il va planer pendant un moment, mais après il va piquer du nez, hein. Va falloir qu'il se pose. Hein. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, scénario 2018. En un mot, scénario 2018. Alors, tous les vieux traders, ils savent très bien ce que je veux dire. Scénario 2018. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scénario 2018? Bah, c'est déjà les valeurs croissance qui dérouillent. Je te le dis quand même, hein, mais il n'y a quasiment plus aucune valeur croissance, alors, sauf quelques cas exceptionnels, mais il n'y a plus aucune valeur croissance qui est à son sommet. Hein. Moi, j'ai des dossiers canons qui sont officiellement en bear market. Je pense à Flatex. Flatex, c'est un dossier que je t'ai parlé la première visio qu'on a fait ensemble. Je t'ai dit, superbe dossier. Et c'est toujours un superbe dossier. Il est monté de 10, j'ai acheté vers 10, j'avais vendu, alors pas tout, mais j'avais gardé un peu à 30. 10-30, bon, super. Il est à 20, voire un peu en dessous. 30% de baisse, officiellement, un bear market, c'est 20%. Donc, on peut considérer quand même qu'il s'est passé des choses, alors des hausses qui sont ce qu'elles sont, et des baisses violentes. Il y a des graphes qui sont cassés. Pour moi,
C'est le début c'est le début de choses qui sont trop chères. Il n'y a plus de justification et on commence à avoir du retournement sur certains Et puis secteurs, sur certaines qualités de tout valeur. augmente, l'inflation, tout augmente. Enfin, c'est une inflation fou. Moi, je racontais hors antenne, moi, je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai des clients qui, il y a 5-6 ans, ou non, 10 ans, allez, on va dire 5-6 ans, il y a 10 ans, qui avaient une ferme, qui avaient des vaches, et ils vendaient tellement peu cher leur lait qu'ils ont fait une ligne de yaourt pour valoriser le lait. Ça a très bien marché. Et là, j'ai appelé le client il y a 2 semaines. Il m'a dit, j'arrête ma ligne de lait de yaourt. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le lait, je le vends très cher. Donc maintenant, produire du yaourt, je perds de l'argent. Le prix du lait a augmenté. Alors quand tu dis ça il y a 5-6 ans, c'était impossible. Eh ben ouais, le prix du lait a augmenté. Oui, C'est fou. attention, il y a eu des hausses un peu exagérées, ça a été recorrigé. Donc l'inflation, elle va vivre sa vie. Elle va, et puis un phénomène de momentum aussi qui va se mettre en place. Mais moi, on m'a toujours dit, pendant toute la période de non-inflation, on entendait toujours les mecs dire, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Quand tu l'enlèves du tube, tu auras du mal à la remettre dedans. C'est une expression que j'entendais tout le temps. Et aujourd'hui, on n'entend plus de ça. On n'entend plus ça. Non, c'est bien. Ouais, c'est peut-être bien. Enfin, moi, je suis pas trop contre l'inflation, mais est-ce qu'au niveau de la bourse, ça va être bien? En C'est pas Espagne, on est spécialement. à 8% d'inflation. Ah ouais. D'accord. Et donc, Ça si tu veux, monte, aujourd'hui, qu'est-ce que au niveau boursier, ce que ça va donner? Bah, c'est une augmentation des taux d'intérêt. hein. Et un truc qui n'est pas Et dit. si on augmente les taux d'intérêt, les obligations redeviennent intéressantes. Donc on sort de l'argent du marché parce qu'on trouve où le placer ailleurs avec moins de risques, avec plus de rendement. Il va y avoir un phénomène assez impressionnant, enfin, pour moi, qui pour moi devrait arriver. Hein. Ça mettra peut-être 6 mois, ça arrivera peut-être pas, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'ils aient raison. Mais pour moi, il y a une erreur de politique monétaire américaine. Ils ont trop injecté d'argent. Ils commencent en train de le dire. Ça fait un moment que je le pense. Ouais, mais comme ils s'étaient trompés en 2008, qu'ils avaient rentré trop tard, cette fois, ils ont décidé de rentrer tout de suite. Et Oui, peut-être que et c'était fort et trop. longtemps. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que quand tu mesures pas, tu modères pas ton truc, y a un phénomène qui s'appelle un truc qu'on avait complètement oublié dans les politiques monétaires, c'est l'inflation. Et là, ils ont peur. Parce que pour dire ce qu'il dit, à la vitesse qu'il le dit, ils ont peur. Ils ont très peur. Faut pas oublier que les grandes fortunes, l'inflation, ça les détruit, les grandes fortunes. Hein. Ça ne fait que redistribuer l'argent. Généralement, c'est les pauvres qui sont gagnants dans l'histoire. Même Ah ouais. s'ils ne sont pas contents à l'instant T, instant T plus 1, c'est plutôt les pauvres gagnent et les riches perdent. Donc, ils n'en veulent pas d'inflation. Il faut pas l'oublier, ça. D'accord. Et, tout ce qui concerne ces mécanismes de rattrapage vont être violents de toute manière en termes de flux d'argent. Et ça va impacter. Quand, je sais pas, pour moi c'est 2018. Alors, tu vas me dire, mais ouais, mais tu vois quoi, un crack? Non, pas crack, mais par contre, peut-être un marché qui va corriger, peut-être un marché qui va se retourner. Et 2018, ça avait mis plusieurs mois. Et à un moment donné, poum, c'est tombé. Et évidemment, ça tombe toujours quand? Bah, quand il n'y a plus personne, et ça c'est l'été. Allez, on fait une petite. Allez, fais un petit pari, on verra si je vois à peu près clair, mais. Fin avril, ce sera peut-être temps de dire merci, au revoir, et là il y aura un vrai sell in May and go away. Yes, on verra. Ok, Peace. ben ça fait plaisir, tu te mouilles, hein? Oui, C'est l'an dernier, tu étais mais. mouillé, t'avais eu raison, on verra cette année, hein? Ouais, on verra bien. Mais non, je me rappelle parfaitement du marché 2018. Ça n'a pas été très long parce que l'été, bon, ça vit, ça vit, ça vit. Et puis ça avait décroché en septembre. J'ai regardé, hein, Et je me puis en rappelle pas de mémoire. décembre aussi, ça avait décroché Et ça avait grave. décroché jusqu'au 24 décembre. Et Moi, en là. décembre, j'étais sur un montage. Je regardais le soir parce que j'avais pas le temps de. Oh, j'avais pris une déculottée au mois de décembre 2018, mais Ouais. une belle déculottée, hein. Eh ben moi, c'était une partie de ma vie où je vivais seul. Et le 24 décembre après-midi, je regarde le Nasdaq et je vois le Nasdaq s'effondrer, mais s'effondrer et rebondir. J'achète. Il y avait eu une baisse de 30% des tout le monde. Enfin, j'ai vérifié avant de faire l'émission, j'ai travaillé un petit peu. Entre 25 et 35% les indices. Et on arrive à ce moment-là, il y a pam, pam. Et là, je dis, c'est fini. Et Powell avait parlé, je crois que c'était Powell déjà à ce moment-là,
ou c'était Yalen encore, je sais plus, enfin bref. Et je dis, j'achète. Et le 26, enfin la réouverture, je sais plus quand c'était, enfin voilà, Ouais. la réouverture de Paris, j'ai acheté, mais j'avais rien, j'ai fait all-in. Ouais. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai gagné autant d'argent en si peu de temps. En 3 jours, j'ai fait 20%. Ouais, non. Et j'ai vu un Soitec à 40, 40, 45 euros. Enfin, des dossiers canons qui baissaient. Et il faut que les gens comprennent que quand le marché se met à baisser, il envoie tout à la cave. Par contre, ce qui rebondit un jour, bah, c'est le fonda qui parle. Donc, je vais vendre faire une petite pub. C'est dans les marchés baissiers qu'il faut apprendre le fonda pour savoir quand ça va vouloir s'arrêter, qu'est-ce qui va remonter. Et moi, je me rappelle très bien, je me revois mettre une somme qui était, alors c'était moins important qu'aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup plus maintenant, mais qui était importante pour moi à ce moment-là. Et Soitec, je crois que j'avais mis 50% de mon portefeuille dessus. Ouais. 45 euros, elle est à 200, 220 La aujourd'hui. vache. Ouais, bien, bien. Ouais, bah c'est une de mes pépites les plus fortes. Voilà. Mais Soitec, moi, je l'ai vu à 15 euros. 200, 220 Ok. On voit les pépites 2022? aujourd'hui. Ouais, je vais juste faire une parenthèse sur Oui. 2022, sur des dangers. Ouais. Moi, j'en ai deux. Il y a un en France, il y a les élections. Ça peut bouger. Je t'avais parlé des élections allemandes. Ouais. Depuis l'Allemagne, je suis beaucoup plus modéré, hein, d'ailleurs. On sent que Tu les crois qu'en investisseurs France, il va y avoir européens. des gros changements? Enfin, moi, je vois que le niveau, il est tellement bas que je vois pas qui c'est qui peut. Je vois pas, je vois pas de changement en vue en France, hein. En France? Ouais, bah, je vois, Non, c'est non, ouais. lamentable. C'est, il y en C'est a pas pas un être pour devin. sauver un autre, quoi. C'est pas être devin de dire que Macron va repasser, hein. Bah, je crois que c'est clair, hein, parce qu'ils sont tellement Surtout mauvais que. en face que Surtout que impressionnant. si tu regardes bien le marché actuel, les valeurs qui ne subissent rien, je parle des croissances, hein, moi je parle pas du CAC 40, je connais très peu. Les valeurs croissance qui ont morflé, c'est l'Allemagne, mais violemment. Et pendant que les valeurs croissance françaises, alors moi je parle des small, hein, mon environnement à moi, hein, mes élèves ils diraient oui, ils voient bien ce que je veux dire, ça n'a pas bougé. Donc j'ai quand même des indicateurs maison qui sont comme ça en France et comme ça en Allemagne. Allemagne, parce que les élections, peut-être que le gouvernement il leur plaît pas, il décide de rien, donc Parce qu'en généralement Allemagne, les ils sont quoi? Ils investisseurs. ont fait une coalition entre plusieurs. Donc il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, l'autre en bas et l'autre en haut, c'est ça, non? C'est l'auberge espagnole. C'est un truc de fou. Donc je suis pas convaincu que ça plaise au marché, et c'est pour ça que j'ai des baisses puissantes et des rebonds mous. Retenez bien ça, mesdames, messieurs, au lieu de faire de l'analyse graphique très compliquée. Baisse puissante, rebond mou, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas la France. Après, chacun ses convictions, mais visiblement, les marchés considèrent que Macron a pris des bonnes décisions et qu'aujourd'hui, la France va mieux que l'Allemagne et que bien d'autres pays. Bah, après, chacun pense ce qu'il veut, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. Mais boursièrement, enfin, moi, je vois les dossiers français sont costauds. Sur ce que j'ai sélectionné, hein, sur les valeurs que j'aime bien, c'est costaud. Donc voilà. Donc ça, c'est la première alerte. Il y a une deuxième que je veux dire, c'est géopolitique. Alors tout le monde parle de Taïwan, Taïwan éventuellement envahi par les Chinois. Enfin, ce serait assez gravissime quand même. Ouais, c'est plutôt l'Ukraine, hein. Faut faire gaffe à côté, Mais le hein. premier qu'il faut hyper faire gaffe, Vladimir, il rigole pas, hein. Vladimir, Ah. il va aller se faire une promenade dans le Donbass, à mon avis. Ouais. Je l'ai dit à plein de monde. Alors là, je me mouille grave. Bon, je me mouille, mais en même temps, Vas-y, vas-y, je ne vas-y. serai pas investi pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, les Jeux Olympiques, quoi? Je suis un vieux grigou qui arrive à la cinquantaine et j'ai un peu d'histoire dans la tête et j'ai souvenir, et ce serait pas la première fois, que nos amis les Russes, quand ils ont des comptes à régler, des petites révoltes, etc., pour aller mater tout ça, ils attendent les Jeux Olympiques. Et ils font ça pendant les Jeux. Et ce serait pas la première fois qu'ils le font. Donc voilà, moi je vous le dis, ça, alors franchement, si je joue là-dessus, c'est du sang contre un, quoi, parce que c'est Ouais. quasiment impossible que j'ai raison, mais pensez-y quand même. Et si vous entendez dire, ouais, bah, les Américains, les Russes ne se sont pas entendus, voilà. Et moi je pense qu'ils ne s'entendront pas. Et je vais me permettre de te faire une autre hypothèse, c'est que
L'Ukraine va être vendue par les Américains aux Russes en échange de messieurs les Russes, aidez-nous contre les Chinois. Parce que l'obsession des Américains, c'est les Chinois. Ouais, mais les Russes, ça fait depuis 2 ans qu'ils ont tourné le dos à l'Europe et que leur premier client, c'est les Chinois. Hein. Oui, bah, on verra ce qui se passe. Les Allemands Mais aussi, la c'est surprise pareil. qui est intéressante. Les premiers clients des Allemands, c'est les Chinois. Hein. C'est pas les Français, c'est pas tout ça. Ils sont allés voir là-bas. Hein. Et les Russes, c'est pareil. Hein. Nous, les Allemands, nous, les Allemands, nous, les Européens. Lapsus révélateur, hein, parce que l'Europe c'est l'Allemagne. Hein. Nous les Européens, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas. Quand on fait 1,1% de hausse, on est content, quoi. Alors que les Américains et les Chinois, quand ils font une hausse à un chiffre, ils sont pas contents. Nous, on fait 1%, ça y est, les gars, on a fait 1%. Ouais, on a fait 1%. Donc moi je pense que l'Ukraine sera vendue sur le dos d'une alliance russo-américaine contre les Chinois. D'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas comment ça se fait, on ne saura jamais. On saura jamais. Mais moi le scénario immédiat, ce n'est pas une entente pour ne pas attaquer l'Ukraine. Moi pour moi l'Ukraine, elle est foutue. C'est mon avis, hein, après c'est vraiment un avis. Le grenier à blé de la Russie, l'Ukraine, On à est l'époque. un peu au bistrot là, en train de Ouais. faire des supputations, mais bah, si ça se passe, voilà, ce sera un vieux bouc de presque 50 ans qui aura eu raison. Voilà, c'est juste de Ouais. l'expérience de l'histoire. Moi, les Russes, je trouve qu'ils aiment bien les Jeux Olympiques pour aller taper sur la tête de ceux qui leur plaisent pas. On verra dans l'avenir. Si... Voilà. Donc ça, c'est des dangers. Il faut faire attention à ça. C'est quasiment impossible à anticiper. Donc, bonne chance à tous. Ouais. Sur ces moments-là. Voilà, donc c'est ce que je Faire voulais dire sur attention. 2022. Excuse-moi, je voulais rajouter ça. Tout à fait, tout Donc, à fait. Merci, voilà, puis Madame les mid-term, Irma. Pardon, Madame. fin d'année, il y aura les mid-term américains, mais ça n'a pas d'impact, Ouais. généralement, ça n'a pas d'impact sur les marchés. Donc, voilà. Non, l'inflation, les conséquences de l'inflation, la politique monétaire, ils vont aller trop vite parce qu'ils ont été trop forts dans un sens, ils vont aller trop forts dans l'autre, et à mon avis, le marché ne va pas aimer. Quand, j'en sais rien, mais je suis plus long terme sur mes valeurs. Les holders ont tort d'acheter en ce moment. Il faut être court terme, il faut être swing. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pris comme décision cette année, voire swing ou désinvesti. D'accord. Voilà. Enfin, Intéressant. concrètement, ce qu'on fait sur nos portefeuilles. Voilà. Moi, Tu te c'est ce que mouilles je au fais. moins. Ça, on ne peut pas dire le contraire, tu te mouilles. Bah Et ouais. si tu nous donnes le nombre de médailles des JO, là, tu as la totale, non? Pour la France, tu ne les as pas, non? Il faudrait que je connaisse les potentiels médailles, j'en sais strictement D'accord. rien. Non, non, non. Je peux te dire un truc. Si, je vais te dire un truc 2022. Ouais. Nous serons champions du monde à la fin de l'année. En foot. En foot. On sera champion du monde à la fin de l'année. Ok. On en parlera. D'accord. Voilà. Équipe de fou. Équipe exceptionnelle. Ouais. Double Dur. champion du monde. Tu verras. Ok. Allez, vive le Qatar. C'est tout noté. Ouais. On verra si elle Tout est aura lieu. enregistré, hein. Tout, Champion du ouais. monde. Champion du monde. Alors, il va y Et avoir il y a le 4 score, ans, il va y le avoir score. une année bouliche de fou. Il va y avoir les joueurs français qui vont faire la grève pendant la Coupe du Monde. Et puis finalement, les Powell décident de pas faire de tapering. Non, ah, tout Ah faux. bah tout faux. Non mais Ouais. il faut. Enfin, par contre, au-delà de ce que je dis, c'est pas des affirmations, évidemment, que c'est des scénarios. Des scénarii. Messieurs les Italiens, bonjour. Il faut faire des scénarii pour être prêt. Ouais. Sinon, c'est ta psychologie qui en prend plein la figure. T'étais pas prêt, tu subis, Ouais, et voilà. ouais, Et ouais, ouais. ça, vous pouvez retenir ce que je viens de Et dire, ça, c'est mesdames. une très très bonne leçon. Il faut prévoir tous les scénarios et surtout Oui. savoir ce qu'on fait s'il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que je fais si je le constate? Ouais. De manière froide, avec une décision froide. Et tu vois, tu parlais de Tata. Bon, franchement, il est fort. Hein, enfin, on peut en parler de plein d'autres, mais bon, on parlait de lui. Le fait d'avoir préparé son scénario, il y aura un vaccin, c'est ce qui m'a fait le plus gagner d'argent. Ouais. Il y aura un vaccin et le jour où il y a un vaccin, j'achèterai ça, 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 Parce ça, que ça le et jour où il ça. y a vaccin, en 3 minutes, je suis sur mon ordinateur, Ouais. j'achète. Tu Ouais. devines bien qu'à ce moment-là,
C'est je vends, j'achète, j'achète, je vends, je vends. Et ça a été, mais hyper rapide. Et ça, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui paye un jour. Et les traders savent le faire. C'est ce que j'ai réussi à faire qui m'a fait gagner. Alors, évidemment, le mouvement a duré des mois, mais ce jour-là, j'ai pas perdu. Et je me rappelle de Pixel qui avait fait son année 2020 et qui n'avait pas gagné et à cause de cette journée-là, quoi. Parce Il qu'il était parti. avait ouvert l'ordinateur, si je me souviens bien, et il avait vu que ça chutait et il était dans le Covid, il avait tout vendu. Il a tout vendu, il a tout vendu en bas et tout a remonté. Enfin, il n'était pas du tout prêt. Alors attention, je le salue, on se salue parfois. Pixel, esker, je te l'ai dit, mais fais attention. Fais attention. À 150 années de bénéfices dans le cours, on fait gaffe quand même. Donc voilà, donc l'idée de scénario, de dire tiens, il y a des choses, il y a des moments dans l'année qui vont exister, les élections françaises fin avril, blablabla, voilà, ça permet d'étalonner son année et c'est important. Et puis finalement, je vais te dire un truc tout bête, ça fait partie d'une stratégie de poupée russe. Il y a des événements globaux et puis à un moment donné, il y a des éléments tactiques où il faut être là, pas là, quoi. Voilà. Bon, on passe sur ta petite liste. Oui, si tu veux. Tu me dis si c'est si quand c'était bloqué sur Sur le partage. sur le partage d'écran, ouais. Ouais, feuille blanche là. Ouais, blanc, ouais, c'est Blanc, ça. ouais. Allez, c'est parti. Donc, alors, l'arbitrage que je fais, c'est sur l'indice des pépites. On a fait un sur l'indice des large caps, des OVH. Et puis sur l'indice des pépites, on va faire une revue beaucoup plus large. Je vais juste signaler une chose. J'ai une seule valeur qui est dans les deux, qui est dans les large caps et dans les pépites. C'est Soitec. Soitec est dans les deux. Pour vous dire comment j'y crois ce dossier-là. Voilà. Et j'ai pris deux décisions cette année. La première, c'est de réduire le nombre de valeurs de 35 à 25 valeurs. J'ai du mal à suivre tout ça. J'ai d'autres choses. J'ai créé des autres indices. Donc, j'ai oublié de réduire la voilure en termes de travail, parce que ça me prend beaucoup d'énergie quand même. Donc voilà, j'ai décidé de réduire. Donc il y aura beaucoup de valeurs qui sortiront, même des belles. Et puis, dans mes choix que j'ai fait cette année, j'ai voulu faire un équilibrage géographique et sectoriel. Donc vous allez voir le résultat de ça. Et on va commencer par les sorties. Il y en a beaucoup, donc on va les énumérer si tu veux bien. Donc première sortie, c'est un secteur que je trouve en perdition totale. C'est le secteur dans lequel est Delivery Hero, qui sera à moins 9, et de Just Eat Takeaway à moins 40. Donc je sors ces deux valeurs-là. C'est bah, ce que c'est, hein, Just Eat, Deliveroo, etc. Donc c'est la livraison à domicile. Ça a monté très fort pendant le Covid, et là ça corrige, et c'est des bear markets qui se mettent en place sur toutes les valeurs. Donc je m'éloigne de ce secteur. Voilà. Un choix sectoriel. Et puis c'est aussi des dossiers très endettés. Et vu la hausse des taux annoncée, je suis un peu gêné. La deuxième raison de sortie, c'est bah, je fais des erreurs, tu l'as entendu. Et là, j'ai fait une erreur sur un dossier. Alors, je n'avais pas eu de conséquences en termes de performance, il a fait moins 5. Mais Specta, j'ai mal compris le business model de la valeur. Il ne me plaît pas, il ne me plaît plus. Donc, je la sors. C'est pas ce genre de dossier-là qui m'intéresse. Donc, je la sors. Je ne me pose pas de questions sur le sujet. D'accord? Specta, c'était suédois. Enfin, c'est toujours suédois. Il y a eu un beau rebond en fin d'année, mais ça ne m'intéresse pas. C'est le business model qui ne me plaît pas. J'ai trouvé mieux ailleurs. Donc, je sors une valeur parce que j'ai trouvé mieux. Et je sors Compleo Charging. Alors, Compleo Charging, c'était une valeur allemande qui fait des chargeurs pour charger les voitures. Et donc, quand j'en avais parlé, alors j'ai eu un phénomène, elle a pris 45% en ligne droite. Voilà, moi, j'étais dedans, donc j'ai profité de ça. Et à un moment de l'année, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement et on va pas tenir notre guidance, etc. Blablabla. Et c'est effondré de plus 45, elle est à moins 26. Je la sors, mais je la sors pas pour ça, parce que je trouve que le dossier est toujours intéressant, même s'il est un peu pas mûr. J'ai trouvé mieux ailleurs et on va en parler tout à l'heure. Je sors aussi des dossiers où je suis peut-être arrivé dans le dossier trop tôt. Je fais un petit bisou, non, je vais pas lui faire un bisou, je fais un petit bonjour à David B,
qui m'avait fait la réflexion, tu trouves les valeurs vachement tôt. C'était plutôt un compliment. Et moi, j'ai pris note de ce qu'il m'a dit, et je te salue, David, parce que je fais attention à pas être trop tôt. Alors, je surveille, mais je ne veux pas en parler. Il y a plein de dossiers que je surveille, mais il ne faut pas que je sois trop tôt dans le mouvement. Et donc, je vais en sortir, je suis peut-être un peu trop tôt, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je vais sortir à CAR carbone capture, à moins 12. Alors, elle a monté, elle a baissé, très erratique. C'est une valeur norvégienne qui fait de l'ingénierie dans la capture de carbone, qui me paraît un dossier super intéressant, mais je suis peut-être un peu tôt, un peu cher, c'est pas encore rentable. Donc voilà, je vais faire un petit bonjour à David au passage. J'écoute les gens qui me parlent, il y a toujours à gagner des gens qui sont pas d'accord avec toi. C'est eux les plus intéressants. Et puis je sors Mynaric. Mynaric, que je trouvais génial il y a un an, et je la sors à 36% plus bas. Je pense que je suis tôt aussi. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'ils annoncent qu'ils vont aller rentrer au Nasdaq. Ils ont une technologie de fou. Ils ont des perspectives qui ne sont pas reniées. Mais le dossier est parti à la cave. Donc le marché n'y croit pas. Donc je suis arrivé trop tôt dans l'histoire de Mynaric. Mais ça reste un superbe dossier. Voilà, ça c'est allemand. Avec un patron américain. Le dernier, donc c'est ma septième sortie, c'est Agri Power. Agri Power, j'ai fait un trade gagnant, c'était un dossier sympa, j'ai gagné un petit peu d'argent dessus, mais là il a moins 15 par rapport au jour où il est rentré. Donc moi je respecte bien mes prix d'entrée et mes prix de sortie, hein. Je triche pas avec, et je suis un petit peu en avance sur le dossier. Ça reste un super dossier, je le dis quand même, il y a eu des embauches de commerciaux. Ils ont déjà rempli le pipeline en termes de commandes. Ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas progresser alors que le pipeline est déjà plein. Et il y a des commerciaux qui rentrent. Donc ils vont rentrer du business. Et je trouve qu'ils sont très modérateurs de leurs chiffres. D'autant plus qu'il y a un changement de patron. Et je pense que le patron, il ne veut pas trop, dans sa première ou deuxième année, il ne veut pas trop s'afficher fanfaronnant. Donc voilà, je surveillerai toujours le dossier. Je trouve le business model génial et super intéressant. J'avais expliqué sur Facebook. Ça reste une super valeur, mais je suis peut-être trop tôt dedans, donc je la sors. Vu que j'en enlève quelques-unes, voilà, j'ai décidé de l'enlever celle-ci. Et je vais enlever des super dossiers. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, je les enlève parce que je fais de la place. À Cognir, je l'ai préconisé, c'est bien monté, c'est encore en positif. Ils ont fait une grosse AK, une grosse augmentation de capital qui a été sursouscrite. C'est une superbe boîte et c'est notamment des gens qui font des capteurs. Je sais pas si tu as une voiture avec ça, mais tu sais, quand tu passes ton pied sous la carrosserie, là, Moi, tu sais j'ai où pas le ça, moi. coffre, et ben ces gens-là font ça. Et c'est eux qui ont les capteurs apparemment au niveau mondial, qui sont les plus petits. Les capteurs optiques. Allez voir ce qu'ils font, c'est génialissime. Donc elle a monté, elle a baissé, etc. Bon, je la sors, mais convaincu. Je suis convaincu. C'est scandinave, c'est suédois. Tiens, parenthèse, quand j'ai tweeté ce dossier-là, j'ai plein de copains suédois maintenant sur mon compte Twitter. Ils sont fans là-bas, ils sont fans. Hein. C'est leur Navia. Oula, j'ai dit un mot qu'il fallait pas dire. Tu l'as pas rentré, Navia, non? Ah tiens, en fait, Navia, on fait une parenthèse. L'an dernier, 1er janvier ou 2-3 janvier, quand on a fait l'émission, j'ai dit Navia, je suis pas fan. Ça a divisé par deux. On me dira ce qu'on voudra, je me suis fait accuser de météorologue de la veille, ok, mais sauf que je l'avais dit sur ton antenne, les gens pourront écouter, c'est sur YouTube, ils peuvent trouver. À 4 euros, j'étais vraiment pas fan du tout, parce que c'était pas mûr. À 2 euros, je change d'avis. Pas que parce qu'elle est à 2 euros, hein. Ça commence à ressembler à des vrais contrats, ce qu'ils font. Donc, c'est un des. Alors, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un des paris que j'ai cette année sur des valeurs où je vais pas en parler, je vais pas le mettre Ah, de dans toute des façon, index, le mais. but du jeu, c'est d'être au bon moment, au bon endroit et sur le bon marché. Si la Et boîte, elle je. est, si les boîtes, elle est bonne, mais le marché n'est pas là, c'est trop tôt. Et j'ai une ligne. Je suis investi sur Navia. AMF, bonjour. Je suis investi sur Navia. Il y a quelques dossiers comme ça qui sont loin d'être mûrs, mais qui pour moi sont des beaux paris d'avenir. Je pense à Global Bioenergy, et je pense maintenant à Navia. Voilà, je change d'avis sur Navia parce qu'il y a des choses concrètes qui commencent à ressembler à quelque chose. Alors c'est pas pour ça que je la mets dans l'indice, c'est pas pour ça que, mais ouais, il y a des trucs intéressants. En tout cas, le Navia Scandinave, ça serait plutôt à Cognir. Et lui, il monte, hein. C'est un dossier montant, il monte, hein. Graphiquement, pas mal. Je sors aussi Genoway. Je m'excuse, JB, il se reconnaîtra.
Je la sors à la plus ou moins équilibre. J'enlève rien de ma pensée. C'est un super dossier. Si tu veux jouer les biotech sans avoir une biotech, c'est Genoway qu'il faut acheter. Voilà, maintenant je la sors parce qu'il faut choisir la place, tout simplement. C'est un très beau dossier dans le médical. Je ne suis pas sûr que le médical, les ETF cette année vont aller dans le bon sens au niveau médical. Ça peut emmener Genoway à la baisse. Parce que quand ils vont voir que le Covid s'arrête, on peut l'espérer quand même, pour les gens déjà. Le monde médical est un peu haut en valorisation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les Ça rentre tests, vite. quand on va sortir les vaccins, trop tard. Pour moi, depuis le début, Valneva, c'est trop tard, mais bon. T'as peut-être raison, je sais pas. J'en sais rien, on ne peut pas dire, mais on entend dire quand même des gens qui nous ont vendu du vaccin de partout, que ça y est, c'est peut-être la dernière vague. Alors, c'est la première fois qu'on entend dire ça. Bon, c'est Donc, pas la dernière vague, mais s'il y a 50% de la population européenne qui va le passer et puis qui passe ça dans la grande majorité, je ne vais pas dire pour tous, mais dans la grande majorité entre un gros rhume et une petite grippe, normalement la prochaine mutation devrait être encore plus faible de charge virale et normalement c'est fini. Alors après, est-ce qu'on voudra vendre des stocks ou alors faire monter Pfizer? Là, mais on verra, qu'on soit mais d'accord, Denis, pour moi c'est fini, hein. vendre des stocks, ça fait pas du chiffre d'affaires. Hein. Ça fait rentrer de l'argent dans la caisse, mais ça fait pas de chiffre d'affaires. Ça fait du chiffre d'affaires à celui qui vend les stocks. Mais Biosynex, il arrête sa fabrication, quoi. Et foi d'un ancien dirigeant, gérer de la croissance, c'est dur, mais gérer de la décroissance, c'est encore plus dur. Foi d'ancien dirigeant. Pour moi, je vais me mouiller. Pour moi, l'année 2022, ce sera la fin du Covid. Donc, il va y avoir beaucoup de changements. Ça sera un retour à la vie d'avant. Et puis, va falloir payer l'ardoise, hein. On verra bien, mais je suis, tu sais, Pour moi, printemps, c'est le fini. monde médical, on va, si on, enfin, boursièrement, je pense que la santé a vécu son pain blanc, très blanc. Voilà. Donc je sors Genoway, mais ceci étant dit, c'est une super. Une valeur que je sors, alors à grand regret, mais j'ai réétudié, hein, je suis un peu moins sûr que voilà, elle a pris, elle a accéléré, c'était un des dossiers que j'ai vanté et que en Italie, dossier extraordinaire. Elle a pris 80% ligne droite, mais ce que je disais, 80% de plus cher, est-ce qu'elle est chère ou pas chère? Je le dis quand même, fondamentalement, elle est toujours pas chère. Donc voilà, mais je la sors parce que bah faut que je fasse un arbitrage et sectoriellement bah fallait que je fasse un peu de tri dans les ENR et bon bah allez, je dis celle-là, je la sors. Elle a bien gagné, tant mieux, c'est bien. Et une dernière que je sors, WeConnect, plus 74, t'as vu hein? Plus 13, plus 2, plus 50, 74, c'est pas mal tout ça. Ça fait 2 ans que j'avais. Elle est très illiquide, elle bouge pas, il y a eu des chiffres un petit peu moins bons. WeConnect, ça a profité ça a profité aussi du Covid. Bon, je pense qu'il y a un palier là où on va rester en place, mais elle est hyper pas chère, elle n'est pas valorisée, j'ai peut-être tort, mais bon, je la sors. Je te le dis quand même, avant le Covid, j'avais sorti Eurobio Scientifique. D'accord. Ouais. Avant le Covid, C'était peut-être mieux. j'adorais le dossier et je sors. Elle a fait fois 15, fois 20. Comme ça. On encaisse. Alors là, par contre, je pense que c'est celui qui va interpeller le plus les gens. C'est les deux valeurs que je vais sortir. Parce que là, j'encaisse des gains. Enfin, j'encaisse. Elles ont tellement monté que les gens ne vont peut-être pas comprendre. Mais je sors deux lingots. Rappelle-toi, je t'avais dit, il y a les pépites, il y a les lingots. Deux lingots de l'indice. Et je vais sortir d'abord HelloFresh. Super business model. Alors, ils font des petits plateaux repas préparés. Et puis, les gens, ils reçoivent ça. Et puis, ils cuisinent. Ils ont un peu de sel, un peu de poivre. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire la recette prévue. C'est génial. C'est allemand. 262% de progression. Mais je pense que le Covid est passé. Ils vont être sur un palier de chiffres. En termes de renta, ça va être un peu moins bon. Le graphe est en train de se retourner. Merci. Bonne journée. On s'en va. D'accord. C'est mon avis, c'est une Allemande. Je me retire un peu d'Allemagne, t'as remarqué, j'enlevais pas mal de valeurs allemandes. Bon, je réduis la voilure en Allemagne. Je suis cohérent avec ce que je te raconte avant là. Et puis il y a l'autre dossier que je sors, ça sera le dernier. Alors attention, on va se faire incendier sur les réseaux sociaux parce que c'est nul, c'est pas normal, mais je sors LDLC. Ouais. Qui est soi-disant génial.
Ouais, ben moi j'étais acheteur à 6 euros. Elle est à 60, enfin 57, 58. Et je ne vois plus rien. Et toute l'année, je me suis tarabusté. Est-ce que je la sors? Est-ce que je la sors pas? C'est bullish, ça monte tout le temps, blablabli, blablabla. Et quelques intimes savaient que je disais, mais, je leur disais, mais LDLC, ça devient pas trop cher, mais je vois plus pourquoi elle va monter. Et il se trouve que je vois plus. Donc je la sors. J'entends, je vois des gens qui font du fonda, des gens que j'apprécie, puis il y a des gens que j'apprécie pas non plus, qui vantent LDLC. Ouais, bah c'est bien de le faire à 60, mais ça aurait été bien de le faire à 6. Moi, je sors. Voilà. Donc celui qui a profité de ça, il y en a certainement peu, parce que quand je vantais LDLC, c'était en 2019, mais on ne connaissait pas. Mais superbe valeur, hein, c'est une très belle entreprise, mais je vois plus de perspective. Donc sortez-moi des perspectives et je vous remets dans l'indice. D'accord. OK? OK. Voilà. Et puis x10 quasiment, enfin c'est bien quoi. Énorme. Ouais, en 2 ans. Waouh. Les nouvelles pépites arrivent. Ah ouais, le moment tant attendu de... Ouais. Et il y a deux petits drapeaux que je... Bon, enfin, c'est des cartes plutôt. Ouais. Cartes de pays. Et on sera franco-norvégien. Ah. Et vive la Norvège. Pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Pays qui n'est pas en euro. Ils Mais dont sont les dans valeurs le... sont... Comment ça s'appelle? Le FECAM? Comment ça s'appelle? T'as la Suisse, la Norvège, l'Islande L'Islande. et le Luxembourg qui sont dans un groupe qui a des accords spéciaux avec l'UE. Oui, et la Norvège est PEable, ainsi que l'Islande. Alors l'Islande n'est quasiment rien, hein. Mais la Norvège est PEable, alors qu'elle n'est pas dans l'Europe. Contrairement à l'Angleterre, qui n'est plus PEable. Et d'ailleurs, ça ne me dérange pas, parce que j'aime pas l'Angleterre, personnellement. Ce que j'aime pas à l'Angleterre, c'est surtout la monnaie, et puis le comportement erratique de ce pays. Voilà. En vrai, c'est beaucoup plus stable. Et mon choix est français parce que je le vois dans mes indicateurs que la France a l'air de ne pas souffrir. Je pense que Macron va passer. Et le marché adore Macron. Bon, ça nous plaise ou pas. Bah, c'est un banquier, hein. Voilà. Et puis il a fait des choses qui ont fait avancer le business en France. Il n'est pas que mauvais que bougre. Hein. Il a aussi des qualités. Voilà. Et je ne suis pas un fan de Macron. Hein, attention. Hein. Je suis pas non plus un déteste. Je déteste pas non plus. La Norvège, pourquoi? La Norvège, parce que c'est le premier pays producteur de pétrole en Europe. Les gens ne le savent pas, mais ils vivent du pétrole. La Norvège, pourquoi? Parce que monnaie stable, parce que beaucoup de tech, c'est pas aussi fort que la Suède, mais c'est un pays qui me plaît. Ça, c'est mon petit nouveau Eldorado. J'ai toujours dit un nouvel Eldorado. L'an dernier, je te disais, j'ai la Suède, et cette année, ça va être la Norvège. Et je te dis suivant. Par avance, il y a des lois qui sont en train de tomber dans un pays et qui commencent dans un autre pays. Il y a des lois en Finlande qui commencent à dire, et je commence à avoir des dossiers qui me sortent dans mes traders fondamentaux, je commence à avoir des trucs qui me sortent qui sont finlandais. Et il y a un pays qui... Ça va te faire plaisir, c'est l'Espagne. Il y a une loi là qui est tombée pour enfin accueillir fiscalement, je sais pas comment, des gens dans la tech. J'ai cru voir un truc, d'ailleurs je t'invite à essayer de creuser ces trucs-là, mais il y a des lois qui sont en train de tomber en Espagne pour enfin devenir un pays un petit peu tech. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce qui a toujours manqué à l'Espagne. Pourtant, les Espagnols, je dis, au niveau technique, ils sont très très bons. Moi qui travaille Alors moi avec je ne connais eux, pas le gouvernement ils sont espagnol et si très t'es... très préparés. Ils sont très très bons. Ça aurait été les champions du monde de l'éolique et de l'énergie solaire si jamais les gouvernements avaient poussé dans ce niveau-là. Parce qu'ici, il y a du soleil et du vent. Ça aurait Alors moi je suis été une très puissance fan. mondiale au niveau énergie solaire et niveau éolique si c'était sorti les doigts d'où je pense à un certain moment. Sincèrement, je pense que les ENR sortiront de leur torpeur depuis un an, et peut-être pas l'année prochaine, hein, vu les taux d'intérêt qui vont monter. Mais les ENR, quand elles rebondiront, ce sera un signal fort en Espagne. C'est l'Espagne qui mènera la danse, parce que l'Espagne... C'est une techno... enfin,
Il y a tout réuni en Espagne avec des valeurs magnifiques. Je ne vais pas toutes les citer parce que j'arrêterai pas. Mais l'Espagne sera celui qui déclenchera, à mon avis, le signal que les valeurs NR reviennent à la mode. Ouais. Ça peut durer 2 ans, notre histoire. Ça fait 1 an que ça dure. Ça peut durer en fait. Voilà. J'en fais des paris, donc. Hein, t'as vu ? Ouais, ouais. Voilà, donc deux pays. Ricardo se mouille aujourd'hui. Pardon ? Ricardo se mouille ce soir. Ricardo se jette dans la piscine, maintenant, ouais. On va dire. Tout habillé en plus, hein. Ça va voir, ça va donner. Ouais, tout nu, c'est à 50 ans, on n'est plus aussi beau qu'à 20 ans. Hein. Ouais. Donc, France et Norvège. Et ça rééquilibre un petit peu aussi, un peu moins d'Allemagne. Je maintiens pas mal de valeurs françaises. Donc voilà, mon orientation, elle est franco-scandinave. D'accord. Et c'est volontaire. Et je garde un peu d'Italie aussi. Mais l'Allemagne en retrait. C'est l'Allemagne qui perd cette année. Hein. Et la Hollande. Ouais. La Hollande, c'est l'Allemagne. Hein. La Hollande, c'est... ça marche comme l'Allemagne. Donc voilà. Et donc la première pépite que je sors, bah, c'est une Française. Et c'est pas une nouvelle, à vrai dire. Je l'ai sortie cet automne et je la re-rentre. Carrément. Ah, le retour. The comeback. The comeback de Clara Nova. Alors, ça, j'allais dire, ça ferait plaisir à Eric Lewin parce que j'avais parlé de Genoa et il en a parlé en BFM. Et là, il en a parlé sur BFM la semaine dernière et j'en parle maintenant parce qu'on se renvoie la balle. Non. C'est vraiment un dossier qui n'est pas où il faut, il ne mérite pas du tout d'être là. La croissance n'est pas reniée, je le répète, c'est juste un plateau. De vue. La rentabilité est maintenant là, elle est bien ancrée. On dira ce qu'on veut, mais ça bosse bien. C'est un peu aussi un équilibre dans la façon de proposer les dossiers. C'était un dossier, chercher un dossier. Je me disais, il faut que je mette un dossier pas cher. Eh bien, j'ai choisi que c'était celui-là, parce qu'il est vraiment une valorisation très ferme. Voilà. Donc, voilà son graphique. En mensuel, on voit où est-ce que ça va buter, on voit où est-ce que ça peut travailler, et on voit où est-ce que ça peut accélérer. Ça se passe ici, entre 7 et 8 euros. Voilà, et il y a eu un beau rebond depuis le début de l'année, mais... quelqu'un qui fait du fonda ne peut pas considérer Clara Nova comme un mauvais dossier. Clara Nova, ça a toujours été un bon dossier, toujours un dossier qui a fait toujours des très bons résultats. Les résultats ont toujours été vendus, et apparemment, le problème, ce serait la direction. Ouais, donc la direction, elle a fait des choix qui n'étaient pas considérés par les investisseurs comme bons. On peut l'entendre, Cesarini, il a ses têtes, entre guillemets. Oui, sur beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, j'ai entendu, ça doit être Eric Lewin qui a dit ça, il n'y a pas de spin-off de prévu, et c'est ce que reprochent les investisseurs. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un spin-off. Oui, mais... parce que tu me l'as dit avant, mais sinon je ne savais pas. Un spin-off, c'est de séparer les filiales et de créer des sociétés séparées pour faire des pure players. Alors, qu'est-ce qu'un pure player ? C'est un pure player, il joue purement, on va dire. Il ne fait qu'une activité. Et donc, l'idée, c'est de dire un spin-off, c'est de mettre, par exemple, Planet Art, concernant Clara Nova, sur le marché et la mettre à côté. Pour valoriser les actifs de Planet Art et en même temps que Clara Nova en profite. Donc, on met des sous-ensembles de la société sur le marché en créant des filiales. C'est un spin-off. Je vais me permettre de faire une réflexion que, par contre, je n'ai pas entendue. Ça revalorise le titre. Alors, moi, je veux bien, mais il va falloir m'expliquer ce qui s'est passé sur Nacon et sur, par conséquence de fait, sur Big Ben Interactive. Big Ben Interactive faisait toujours des accessoires de jeux, et avait aussi acheté des activités de jeux recyclés, on va dire. Et il crée Nacon, et il sépare l'activité jeu pour se valoriser. On peut se rappeler de l'introduction de Nacon, c'est juste avant le crack du Covid. Donc, les pauvres, ils n'ont pas de chance, mars 2020, introduction de Nacon. Je vous le dis juste pour être simple, si on nous dit que ça revalorise le titre Big Ben en introduisant Nacon, eh ben, allez voir le cours de bourse de Big Ben Interactive et de Nacon. Eh ben, 2 ans plus tard, ils sont au même prix. Ouais. Donc, je veux bien qu'on réclame un spin-off, mais ça ne valorise pas toujours les titres. Soit clair.
Donc voilà, et en plus Nakon c'est une super valeur, tout le monde en parle, moi je suis pas fan hein, du tout, bon voilà, chacun pense ce qu'il veut, moi je j'aime pas Nakon, j'aime bien être contredisant des fois. Donc j'aime pas Nakon et visiblement j'ai raison parce que depuis l'introduction en bourse, elle est, je crois qu'elle est même en dessous de son cours d'introduction. Et Big Ben est à peu près au même prix que à l'introduction de Nakon. Donc voilà. Donc on me dit ça, mais moi je n'y crois pas du tout. Je crois simplement dans les chiffres. Clarinova gagne de l'argent de plus en plus. Les chiffres montent, on est sur un palier, ça a été vendu. J'ai raté le point bas qu'on aperçoit, mais je la mets dans les pépites. De toute façon, je la rentre plus bas que je l'avais sorti. Donc finalement, ouais. Ok. D'accord. Voilà, voilà. Clarinova. Première. Donc il y en a quatre. On part en Norvège. Je t'avais dit qu'on irait en Norvège. Et on va aller rééquilibrer un secteur où je n'ai pas trop de monde sur l'indice. J'ai amélioré ce poids-là. Je rentre Nordic Semiconductor. Mmh. Donc c'est le secteur qui me fait rentrer cette valeur-là. Je voulais rentrer une nouvelle valeur semi-conducteur. Savoir que j'ai une grosse réussite avec Soitec. Puis j'ai la petite pépite qui n'a pas donné cette année. Enfin, elle est montée, elle est tombée. Qui n'a pas donné, mais je suis en place dessus, etc. Hein, depuis longtemps. C'est Calray. Et donc j'ai un petit peu le pari avec Calray, j'ai le pari qui n'est pas gagné avec Calray, j'ai le pari qui est gagné avec Soitec, et je voulais entre guillemets une valeur classique en semi-conducteur. Donc comme je ne fais pas les États-Unis, je n'ai pas été chercher ces valeurs-là, et en Europe j'avais le choix, il y avait STM, il y avait plein de choses, j'ai pris Nordic pour des bonnes raisons. C'est qu'il y a eu une remue d'OPA, de STM dessus l'an dernier, mmh. Et pas dit que ça ne revienne pas, première chose. La deuxième chose, c'est que l'an dernier, je t'avais proposé MIPS en valeur très chère et je disais que ça allait continuer à monter. Eh bien, je suis tenté de dire qu'on peut espérer la même chose de Nordic. C'est cher, mais ça me paraît encore jouable. Il y a de belles perspectives et ils m'ont l'air très bien positionnés. Et finalement, dans le nord de l'Europe, il n'y a pas grand monde. Mmh. J'ai un biais pour cette valeur-là. Elle est norvégienne, mais elle aurait été autre chose. Voilà, je l'aime bien. Et graphiquement, voici ce qu'elle donne. Alors, on est en unité de temps, les bougies sont en unité de temps semaine. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai tracé une sorte de biseau. Est-ce que ça sera respecté? On verra bien. Voilà, je voulais alourdir un petit peu le côté des semi-conducteurs. D'accord. Voilà, donc c'est difficile après de choisir. J'avais des Allemandes, mais l'Allemagne, je t'ai dit tout à l'heure, j'aimais pas trop, donc j'ai dit je fais pas Allemagne. Enfin, ouais, toi, il y a toute une tambouille à faire un indice cohérent. Et puis, on va rester en Norvège. Et que personne ne connaît. Là, j'en suis. Ah, Bergen Carbon Solutions, d'accord. Tu connais bien le patron, c'est ça ? Bah oui, oui. Philippe. Ouais, d'accord. Philippe Bergen. Ah, c'est avec lui que tu as mangé une daube, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Non, c'est Bergen, on arrête. Bergen Carbon. Bergen Carbon, j'ai enlevé la carte carbone capture carbone ou carbone capture, et je cherchais une valeur dans le capture de carbone pour remplacer la CARE. Et elle ne fait pas exactement la même chose. C'est des gens, allez lire ce qu'ils font, c'est exceptionnel, enfin je trouve ça formidable. Ils captent le carbone, le CO2, excusez-moi, pas le carbone, le CO2. Ils récupèrent le carbone, ils balancent l'oxygène, ils en mettent dans l'air, et ils captent le carbone. Et avec ça, ils réalisent des nanofibres en carbone, dont les utilisations industrielles en technologie de pointe sont gigantesques. Ouais, c'est du graphène, non? C'est pas ça. Je crois que c'est ça, le graphène. Hein. J'ai pas vu ça dans ce qu'ils expliquaient. Ouais. Ils appelaient ça le CNF, mais je pense que c'est une réduction d'une traduction norvégienne. C'est une nano. Je pense que c'est du graphène et c'est une nanoparticule. C'est là-dessus où tu fais les nanocomposants. Mais graphène, ça me parle. Ouais. En tout cas, c'est des sortes de fibres. C'est des microfibres. Alors, les gens, je vous invite, hein, vous tapouillez ça sur notre ami, hein, sur Google, et puis vous allez trouver des choses. Et graphiquement, il s'est passé ça. Donc, si tu regardes bien, on a la grande tasse, la petite anse, ça casse, gap, accélération. Alors, regardez bien, hein. Ici, on était à 15 couronnes norvégiennes, on est rendu à 80. Mmh. Ça bouge, hein. Ça rigole pas, chez eux. Hein. L'unité de temps, c'est quoi On est sur du journalier, là. D'accord. Là, c'est l'introduction en bourse que tu vois à gauche, donc c'est pas un vieux dossier. Hein. Ouais. Et, mais il n'a pas été vendu, ce dossier-là, hein. Donc c'est une belle IPO. Et
je vais creuser, je vais voir, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et à vrai dire, ils ont annoncé que leur coût de production était en forte baisse. Alors, je ne vais pas aller plus loin, vous allez lire ce qu'ils racontent, sinon on va traîner des heures, mais c'est passionnant, et si par hasard ça retombait là, sur le gap ou je sais pas quoi, là, je pense que vous entendriez dire un truc du style « j'achète ». Voilà. Super intéressant, la technologie est passionnante. Voilà, moi, je fais du Fonda aussi pour ça. J'adore les dossiers les technologies, ça m'intéresse, quoi. Voilà, il faut être curieux pour faire des trucs comme ça. D'accord. Voilà, donc Bertrand Carbon Solutions. Je sais pas yes. Ok. Ouais, je speak English. Et la dernière, la quatrième, eh ben, c'est aussi une Norvégienne, Zaptec. Tu te rappelles que je t'avais dit, dans les quatre que je t'ai proposé deux fois, il y en a une, je t'avais dit, c'est une bombe. Ouais. C'est Naga Group. Dans les semaines qu'on suivit, elle a pris 60. Elle est passée de 5 à 8 ou 9 en ligne droite. Alors, demain, à l'ouverture, je rentre alors. Non, faut pas faire ça. Ouais. Non, tu fais pas ça. Ouais. Non, tu fais pas ça. Mais tu vas voir que le graphe, il est clair. Et il y a peut-être un point d'entrée qui devient un peu évident s'il se passe un scénario qu'on aimerait bien qu'il se passe. Mais je vais expliquer qui ils sont, Zaptec. Zaptec, c'est mon remplaçant de Compléo. Je t'avais dit Compléo, je la sors parce que j'ai trouvé mieux. C'est elle. Plusieurs choses. Zaptec, donc chargeur électrique, la rentabilité est proche. C'est pas 4 Compléo. Donc en termes de chiffres, très simplement, ils sont plus proches de gagner des sous que Compléo. Déjà, ça t'aide beaucoup. Tu te dis, mais pourquoi eux, ils gagnent? Ils sont en avance sur Compléo, les Allemands sont forts. Pourquoi le Norvégien, là, il est meilleur? Et à vrai dire, quand tu regardes plus clairement, ils ont une avance technologique, ils sont en avance sur la concurrence, ils ont fait des produits, ils ont plus de compétences. Je me dis, mais tiens, pourquoi? Et je me suis rappelé d'un truc. Quel est le premier pays acheteur de voitures Tesla au monde après les Américains? La Norvège. La Norvège est très en avance sur les voitures électriques. Alors, ils sont un peu schizophrènes, hein. C'est des plus gros producteurs de pétrole et en même temps, c'est des plus gros consommateurs d'électricité pour leur bagnole. Comme quoi, hein, ouais. Voilà, le monde est un monde de fous. Enfin bon, bref. Et donc, des valeurs, et notamment Zaptec, ont une connaissance du chargeur électrique beaucoup plus importante et plus ancienne, et plus importante, et plus rentable que dans d'autres pays européens en retard sur le sujet. Et ça me fait dire que Zaptec, c'est de bon cheval pour ce sujet-là. Les derniers chiffres qui sont tombés il y a quelques jours, Zaptec, écoute bien, nous avons une pénurie d'éléments, on te raconte que tout le monde est à la ramasse, n'arrive pas à fournir les clients. Hein. Zaptec a annoncé des chiffres supérieurs à ce qu'ils avaient prévu, la guidance a été battue, ils n'ont aucun problème d'approvisionnement, ces gens-là ont un circuit logistique, puisque la logistique devient quand même hyper importante, qui marche, ils viennent de le prouver. Et ils sont rentables, ils ont des chiffres annoncés extraordinaires, blablabli, blablabla. Eh bien, regarde bien. Voici le graphe. On a bien la ligne rouge. C'est à 70 couronnes norvégiennes. Si ça casse ça, je pense que tu vas voir un tweet passer, disons. Zaptec Voilà. Enfin, okay. Et donc, je dis, comme j'ai dit à Naga, je ne sais pas quand ça pourrait le faire, ça peut. Attention, hein, faut jamais dire je prends et je ferme les yeux. Hein. C'est une bombe. Ça, c'est une bombe. Je me mouille encore. Ok. Voilà. Donc c'était les quatre valeurs, trois norvégiennes et une française. Donc voici globalement la liste des valeurs de l'indice cette année. On m'avait fait des réflexions sur ouais, je copie ton truc, mais j'ai pas le même résultat. Je vous ai mis les poids. Les poids, c'est son l'histoire de l'indice. Median Technologies a monté fort et donc son poids a augmenté. D'accord. Voilà, donc j'ai les poids, vous les avez. Celui qui copie ça à pile poil, il aura la même performance que moi. Par rapport à ça, je fais peut-être des erreurs, mais bon, globalement, j'essaye de respecter ça. Par rapport à ça, donc voici la liste. Et j'ai mis en avant quand même des dossiers que je garde et qui sont déjà dans des fortes augmentations depuis qu'ils sont rentrés. Voilà, c'est quand même mes petites fiertés, c'est mes lingots. Alphen, Adyen, Median Technologies, MIPS, Soitec. Tu sors pas Flatex alors? Non, je sors pas Flatex. D'accord. Flatex est en bear market, moins 30% depuis le plus haut. Ouais. Flatex, j'ai étudié la nouvelle grille tarifaire de Giroud. Le
pricing power que ça va faire est gigantesque. Donc, je garde dans l'indice, je suis en place, je suis investi sur Flatex, je le suis depuis 1 an et demi et je lâche pas le dossier. Alors, j'ai lâché en haut, j'ai un peu allégé, je la trade parfois court terme. En ce moment, je vois bien qu'elle veut pas, elle veut pas rebondir. Flatex, c'est un des dossiers en Europe les plus canons, même si tu me disais lequel est le plus canon de tous, c'est Naga Group. Naga. Naga Group. Je l'ai en portefeuille, elle est retombée à 6 euros là, c'est Naga Group, Naga Group, Naga Group. Ce dossier, allez voir l'appli Naga, c'est un eToro, elle est incroyable. Les chiffres proposés par Naga Group dans le futur sont, je pense, quasiment inégalés en Europe. Voilà. Après, voilà, il y a plein d'autres petites choses qui me plaisent beaucoup. Il y a la Suédoise Arize, qui a du mal à avoir du vent dans ses éoliennes, mais qui est pour moi une valeur extraordinaire. Voilà. Et puis je peux espérer qu'elle aille quand même. Merde, attends. Voilà. Donc ce ne sont pas des conseils, tu l'as dit au début, mais je répète. C'est juste une sélection de dossiers intéressants. C'est à surveiller, puis essayer de trouver des points d'entrée graphiquement. Les graphistes, amusez-vous bien avec ça. Et voilà, donc c'est la fin de ma petite présentation, si tu... Ok, super Ricardo, ça a été très complet, très dense. Donc on a vu un peu tout, tu t'es mouillé, hein. Bear Market, trompé. Macron réélu, la France championne du monde, les Russes qui vont envahir l'Ukraine pendant les JO, on a tout eu là. Hein. Donc Ah la vache, mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? là, c'est tout dans la boîte, et tout enregistré. Hein. Et puis Alors donc la évidemment... France est minée au premier tour, les Russes finalement font la paix et font des bisous aux Ukrainiens. Non, non, c'est bien, non, c'est bien, enfin, c'est bien d'avoir quelqu'un qui se mouille plutôt de quelqu'un qui dise, eh ben, si ça monte, ça monte, et puis si ça descend, ça descend, quoi. Là, l'an dernier, tu avais fait 100%, on va voir ce que ça donnera cette année. J'ai mis la pression, là. C'est obligé que je me gaufre, mais ce serait rigolo dans 1 an qu'on se retrouve et qu'on coche. Ça Bon, pourrait être... là t'étais bon, là t'étais nul. Alors moi j'ai dit que c'était la fin du Covid, j'ai dit que Macron passerait aussi parce qu'il n'y avait personne d'autre, et moi je pense que la dette on va la payer et qu'il y aura une grosse inflation cette année et puis on va commencer à payer la dette. L'inflation, je suis pas sûr, je pense que ça va se calmer un peu, mais de là remettre le dentifrice dans le tube, ça va être compliqué. Et puis, baisse des marchés, correction. Mais je le dis, je le répète, hein, c'est une correction par rapport à une politique monétaire. Et quand ça baissera trop, il y a un certain Joe qui dira à Jérôme, alors Joe Biden, qui dira à Jérôme, je te rappelle que le système américain tient sur les retraites des Américains. Et les retraites américaines tiennent sur la bourse. Et ça Attention. tient sur la bourse. Donc, il ne pourra pas tenir des baisses très fortes sur Nasdaq et sur S&P 500 comme ça. Donc ça va corriger dans un sens, volatilité. Ça va bouger et le VIX ne redescend pas. Je le dis, c'est juste un truc comme ça. On va finir là-dessus si tu veux bien. Le VIX ne redescend pas en dessous de 15. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2007-2008. Je te souhaite D'accord. une bonne journée. Ok. Merci Ricardo. Laissez vos commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Et puis cette année, on fera moins de contenu, mais que du lourd. Et on a commencé avec Ricardo. Merci Ricardo. Ciao, bonne année. Salut!